L'enregistrement, on y croit. Coucou! Pour ceux qui regardent l'épisode, je fais mon foufou. Petit Seb, oui, je te vois. Pas plus signe. Allô, allô. Petit Seb, recevez-vous. Je vais lancer Starbound. Je te reçois. C'est cool. Comment que ça va? Ça va, t'as réussi à faire ton réveil tout doux? Ah ouais, mais la nuit a été compliquée. Oh mon pauvre. Il t'est arrivé misère. Ah bah, réveillé par l'orage, courir fermer toutes les fenêtres parce que bah, comme il faisait chaud, on avait tout ouvert pour les poussins, enfin, oh bref. Mon dieu. Effectivement, je conçois. La nuit agitée. Du coup, la nuit a été agitée, donc moins reposante. Non, je suis navré. Bah normalement, sache déjà qu'on fera... Bah si tu veux, on fait un épisode peinard, hein, comme samedi. Sachant qu'on pourra rejouer si t'es là demain matin. Demain matin, je pourrais faire du Starbucks. Ouais, non, mais ça... Non, mais après, là, c'est bon. Hein. Je suis réveillé, tu vois, j'ai pris le temps, je suis douché, tout, je suis en pleine forme. Ah bah c'est bien. On peut aller casser des bouches. on peut aller chercher la gemme. Okidoki. Alors, attends, j'ai plein de trucs pour toi. J'ai encore un petit peu farmé en off les vaisseaux, les stations, tout ça là. Oh mon dieu. Ah oui, non, faut pas que je fasse comme ça moi. Attends, je te rejoigne dans. Avec Steam System. Je peux t'inviter oui, sinon. Hein. Non, y a pas besoin. Y a pas besoin. Je fais rejoindre la partie et pan. Là, ça marche. Pam, 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 pam. Et là, c'est bon. Je veux dire, j'ai tellement farmé les vaisseaux. Oui. Que quand je trouve des plans de méca, bah, c'est des doubles. Oh. Donc, du coup, j'ai plein de plans pour toi. Ma musique asiatique. Oui, je construisais ma maison. C'était merveilleux. C'était un rêve délicieux. Oh! Oh, puis j'ai mon invité Captain Morbid qui, d'entrée de jeu, non seulement m'offre un cadeau, mais me propose une quête. Il se trouve non attractif. Oh, merci pour la thune. Veuillez accepter ce cadeau pour toutes ses aides. Alors, il me dit qu'il a perdu son cousin Nickton. Mais oui, je veux bien t'aider. Ah, il est dans la zone des... Son cousin est perdu dans la zone des champignons. Je veux bien aller l'aider. Je suis équipé de mon lance-flamme. Allons-y. Je vais aller sauver le cousin de Captain Morbid qui est perdu dans les champignons. Et je profite de cette occasion pour saluer ta communauté Petit Seb. Bonjour tout le monde. Et bonjour à ta communauté le singe. Mickey. Ah, c'est qui lui? Ah, c'est le monsieur qui explore la mine. Oui, blablabla, ils ont toujours la même réplique. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, je vous ai fourni le lien à passer sur la scène du sage, lui faire un coucou. Oui, c'est gentil, d'ailleurs, il faudra que je te fasse la pub aussi, mais j'ai déjà plus la main sur mon chat, du coup, comme je suis lancé dans le jeu. Mais ah bah bien. Ah bah tiens, il est là, le dit cousin. Mais sois pas en pleurs. Mais oui, je suis moi, on va aller voir ton cousin Captain Morbid, il est chez moi, mais oui. Oula, va pas te casser la figure dans la montagne, malheureux. Va falloir sauter de la houche. Oui, là, ça va. Je me suis baladé un peu sur le wiki de Starbound, tu vois, aussi, pour me renseigner. Oui. Apparemment, la nourriture ne change rien d'une classe à l'autre, ça le fait plus. Mais ou alors c'est un truc qu'ils ont pas expliqué dans le wiki. Mais je pensais que ça le faisait comme toi. Oui, tu me laisses dubitatif en affirmant cela. Oh, on se rend notre propre expérience. Oui. Pouk. Non, c'est par ici, malheureux. L'autre, il allait rentrer dans les grottes hostiles. Il est fou. Le truc à pas faire. On y est presque. C'est pas la maison là, c'est l'autre d'après. Eh bien, les petites foulées, il en forme le cousin du Captain Morbid. Voilà, entre dans mon entrepôt. Ton cousin est là-bas, mec. Il est à l'étage. Mais oui, c'est ici. Allez, on se prend un petit thé.
Ah bah bravo! Bah attends-le sur le canapé, mon gars, parce que... Bah, il est parti où, le Capitaine Morbide? Wouh! Le cousin, il est là! Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, le Capitaine Morbide? Il est parti où, cet abruti? Alors que je suis allé chercher son cousin. On pourrait prendre l'apéro, là, surtout que la pluie arrive, on est au sec. Mais oui, mais oui! Mais voilà, les cousins, mais oui, ils sont heureux. Ah! Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il pleut! Bah oui, regardez-moi cette pluie, c'est normal. Il n'a pas à faire la tête comme ça à la fenêtre. Et pourquoi il se barre? Envie de prendre la fraîcheur? Bah alors. Ce mec est fou, je vous le dis, moi. Eh, merci, le cousin que je viens de sauver qui me claque la porte au nez. Heureux de t'avoir rencontré. Oui, non, bah il se casse. Bon, bah ok, ciao. Et surtout, ne revenez pas. Oh, c'est impoli. Oh mon dieu. Il serait pas un peu morbide dans cette famille? Ah oui, non mais là je ne sais plus quoi penser. Bon bref. Je sais pas, il est parti gambader dehors alors qu'il pleut avec son cousin qui l'a retrouvé. Mais sûrement pour le repaumer à nouveau. Alors attends. Ah c'était 32. Ils ont oh j'ai la puissance du manipulateur de matière maskimum. Pardon. Alors que la nuit tombe sur ma planète, je réfléchis à continuer à... Attends, j'ai de la thune, moi, et oh, je suis fou. C'est vrai que ma mission était... Je suis à 8197. C'était mission thune. Bah oui, 10 000 pour mon vaisseau, et oh, la première mise à jour. Enfin, mise à jour. La première extension. Merci, c'est ça. Attendez, oh là, je fais des bêtises. Oh, j'ai une récolte magnifique. Avec cette pluie généreuse, ah, je vais faire une statue pour le dieu de la pluie ici, c'est merveilleux. C'est un symbole de fertilité. Alors, les objets pour le sage, ils sont là. Ah bah moi je suis dans mes champs, hein. Tu sais où me rejoindre. Le pompe enflammé, il t'intéresse ou pas? Le pompe enflammé, oh, annoncé comme ça, oui, s'il te plaît, petit Seb. Alors, non, la bouffe. Ouh, je vais avoir cuisiné. Alors, attends, déjà, je peux repiquer des choses. Est-ce que je peux remettre le sucre près de ma baraque? Parce que le sucre, j'en ai vraiment besoin. Ah non, merde, j'ai déjà des épis. Bon, bah tant pis. Mais de la terre sur ta baraque et plante-les. Non, mais t'inquiète pas. Non, puis, ah, tu sais, à terme, quand j'aurai fait toute la surface de la planète, je referai une couche en sous-sol. Ah, mince! Avec les arroseurs automatiques. Je veux pas te me téléporter à toi, t'es pas invité. Ya, yeah, tu m'étonnes. Oh, y'a papa, attends, là j'ai des pommes de terre piquées. Ah, t'as fini par enlever ta télé. Oui, t'as vu, j'ai un nouveau masque. Le masque insecte dans la face. Alors, le pompe. Oh, merci, monsieur. Un instrument de musique, une casquette, un codex, deux codex. Oh là là, la casque. Un morceau de méca, deux morceaux de méca, trois morceaux de méca, quatre morceaux de méca. S'il y a des trucs que t'as en double, bah t'es l'avant, ça te fera ta thune. Non, j'ai rien de tout ça, merci petit Seb. Tu es ultra généreux. Alors, Z Mage Booster, ça c'est quoi? Stark Rocks Mage Booster. Sludy Gribelli. Oh, toi t'attaques pas le sage. Non mais... Oui, merci, oui, le piaf allait m'agresser. Twin Jet Meg Legs. Ça, c'est mon masque. Non, je peux pas apprendre le schéma. Oh, t'es stylé avec la casquette. Merci, monsieur. Je reconnais Apex, une identité perdue. L'autre bouquin que t'as trouvé, c'est un rapport interne. Oh, intéressant, il faudra que je le lise plus tard posément. Merci, monsieur. Je suis... Alors, pas Robocop, mais on n'en est pas loin. Je suis... Captain Cyborg. C'est ça, de l'espace. Moi, je me balade chez toi pour voir si j'ai tout analysé. Oui, n'hésite pas. Oh, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Par contre, je vais faire mon miam, moi. Ah, là, la porte, j'ai pas. Ah oui, la porte en... Ah, un coffre, j'ai pas. Oh, le truc de... En de PNJ, j'ai pas. C'est l'ours, je l'ai pas. Roseau, petit Seb. Ouh, là il y a des trucs que j'ai pas, c'est quoi ça? Sérieux? Oh, tu me mets pas, tu me surprends. C'est quoi, c'est un espèce de vivarium?
Mais non, j'ai un aquarium littéralement, mais. Ah, c'est un aquarium. Mais oui, l'aquarium, j'en ai jamais croisé, j'en ai jamais fabriqué, donc ah, j'ai pas. Je l'avais réquisitionné celui-là. Donc. Non, je crois que je rajoute des poissons, je sais pas comment on fait, mais ça viendra. Un jour, il y aura quelque chose de machin. Crabe, je sais pas, j'aurais sûrement un crustacé de l'espace. Ah, t'as des espèces de micro-lampes. Ah ouais. Non, t'avais pas les spots de lumière que j'ai mis partout? Si, si, je les ai. Ah. Qu'est-ce qu'il dit, Captain Morbid? Oui, non, oui, bon, d'accord. Il est très amical. Ouais. Réfléchissons. Le coffre sur la gueule, la cuisinière. Bah écoute, ça fait stylé. Ah ouais, non, mais extrêmement. Eh oh, j'en ai vu qui mettaient leur frigo sur des caisses en bois, hein. Excusez-moi du peu. Je me rappelle que ma base n'est pas du tout installée. Même si t'es en déploiement, voilà. Hein? Bah. Je ferai mon popcorn après. Alors ça, je vends. Alors j'ai essayé d'optimiser ma touche hier soir. J'y ai repensé et je suis en situation d'échec. J'ai pas été foutu de retrouver mon logiciel de personnalisation de touche sous Windows. Donc je l'ai dans le baba. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Bon, moi il me fallait du titanium. J'ai regardé pour le mecha, je vais me faire un autre mecha. Oh, décidément. Tu es fan de mecha. Non mais en ayant toutes les pièces, je suis allé voir ce que j'avais et j'ai plusieurs pièces qui augmentent en fait les... T'as deux barres à chaque fois sur le mecha, t'as... l'énergie et un autre truc à chaque fois en fonction des trucs et j'ai réussi à avoir des pièces de méca qui augmentent de 1 chaque barre pour tout. Oh là là. Et du coup la quête mmh. qu'on a avec le pingouin de l'entrepôt de méca, si on la passe on pourra débloquer des schémas de pièces améliorées. Oh là là! Et il va sûrement falloir qu'on le fasse parce que pour le moment, on peut pas aller dans les planètes froides, on se congèle. Oui, bah doucement, oui, j'ai l'air que ça presse pas tant que ça. Voilà. Oui, non, non, mais. C'est... Bah en fait, c'est que moi je voulais le Durastil pour améliorer les établis. Ah oui, bah tu veux déjà passer au niveau technologique suivant, t'es impatient. Non, je suis pas. Enfin. Impatient, si. Mais en fait, ce que je veux, c'est arriver au moment où je vais pouvoir construire ce que je veux comme bloc pour pouvoir faire ma base, en fait. Ah bah oui, tu veux l'imprimante 3D. Oui, c'est quasi... Oui, bon, bah... Voilà. Soupir. Je pense que c'est la prochaine amélioration de la table d'ingénieur, mais... Si Durastil... Pourquoi je suis con, je les ai laissés du Rastil, je peux tenter en vrai. Il me faut quoi? Et puis, le Copper Wire. Peut-être de la réserve que je sais même pas quand j'ai regardé. Il me faut une batterie. Alors la batterie, il faut quoi? J'ai tout sur moi, je crois. Je sais plus. 2 d'or, 5 de poison. Il va falloir que. Du coup, j'en profiter pour faire un peu de tri là parce que c'est le bordel dans mon. Inventaire. Oh merci, tu m'as gâté. Je suis en train de voir l'instrument de musique aussi. Bah tiens, j'ai rangé la guitare. J'en ai tellement joué que je vais la ranger en attendant. Les bouquins, oui, j'en ai plein. Il faut falloir que je les range. T'as besoin d'essence, tu le dis. Hein. Non, ça, c'est gentil. Pareil. Non, je bouge pas, je reste encore sur ma planète. En lootant des vaisseaux, j'ai looté deux nouveaux cœurs de téléporteur. Mm-hmm. Ah oui, le fusil à pompe de flamme que tu m'as offert. Okidoki, bien joué. La pompe élément. Ah bah ça, je peux le vendre. Attendez, je réfléchis. Le cocktail Molotov, je garde. Les bombes, je vais les garder sur moi aussi. Par contre, les lances, je vais les vendre. Je vais pas m'en servir, j'aime pas. Moi, j'adore. Faire de la tunasse. Moi, c'est sûr qu'il faut pas être trop collé au mob, parce que sinon tu tapes plus rien, mais... Tu m'étonnes. En fait, c'est surtout les pouvoirs qui sont dessus. Oh, j'ai des armes en trop, je peux en revendre. C'est quoi mon épée, elle fait elle fait 14 de dégâts. Ouais, ça, je vais la revendre. Oh, ah, j'ai oublié le poison. Ouais.
oui, d'accord, je comprends mieux. Et là, normalement, c'est les bouquins. Bah. Ah, c'est parce qu'il y a mon animal de compagnie. Je me dis, mais je peux plus interagir avec la caisse. Il est dessus, donc. Enfin, il est devant. Donc, du coup, ça m'empêchait. Embêteur. Ouais, oh, c'est gentillet. Mais je cherche à C'est pour ça que j'ai comprendre dit le embêteur. pourquoi. Oui. Je l'ai dit gentiment. Oui, non, bien vu. Du coup, je vais vendre mes anciennes armes qui sont Ah, c'est obsolètes. pas ce que je voulais faire. Et je vais me faire de la thune, du coup. Alors là, il manque quoi? Voilà, ça je revends et ça je revends. Non, zéro? Ça m'apporte rien? Non. Non, mais c'est une escroquerie. Ou alors faut que j'aille directement dans la station. Il se moque de moi là, c'est pas possible. Attendez, je vais aller voir directement. Voilà. La station intergalactique. Oh, le point de rencontre numéro 1 dans l'univers. Qui c'est qui s'est intéressé par mes armes? Bah elle, Mystère à Marthe. Je pense. Non? Ah oui, elle me donne de la thune. Merci. Voilà qui me rassure. Oh, 9400, je suis si proche. Je suis si proche. Ah, une dernière récolte sur ma planète et c'est bon. Burp. On Bon, y tu vends la croit. mo tu vends ce que t'as dans deux de tes frigos, c'est bon. C'est pas faux. C'est pas idiot du tout d'ailleurs, je te l'accorde. Bonne suggestion. J'inspecte rapidement mes champs. Oh. Effectivement, les frigos. Alors, wiring station, rail crafting station. Pet Station et Pixel Station, compresseur. C'est les quatre nouveaux trucs. Ah non, il y en a 5. Ah oui, il y a le Pixel Compressor aussi. Mais pour tout, il faut que tu durastiles. Et de l'amour. Surtout du durastile. Bon allez, moi je vais vendre ça. Tu as raison, petit Seb, au niveau de la stratégie commerciale à suivre. Je vais vendre mes jus de kiwi. Ça vaut Ah, cher là le j'ai jus plus de place. kiwi, je crois. Rester au frais dans le frigo, là, c'est bien. Ça a conservé ses qualités gustatives. Je vais vendre ça. Alors, je ne mange pas les poulets, je me les garde pour moi. En vie. Tac, tac, tac. Ici. Ouais, les pommes de terre cuites. Allez, symboliquement, je vais m'en débarrasser en les vendant. Okidoki, on me propose mon jardin. On y croit, je vais y arriver. Alors, tadi 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 d'ailleurs. Donc il faudrait que je fasse 600 en gain. Au niveau de la bouffe que je vais vendre. Ouais. Je vais à peine faire plus de 300. Dommage. Je pensais que j'avais suffisamment, mais non. Ah, 9804! Il me manque 196. Ah, récolte. J'ai des choses qui ont poussé. Un petit épi de blé. Non mais vu ce qui te manque, tu devrais... T'inquiète pas, t'inquiète pas. Non mais dans les 10 minutes, c'est bon, bah. C'est tout La levé. raffinerie? T'amènes un peu quelques minerais d'or, tu fais la raffinerie, tu les as en 10 secondes quoi. Ah merde, j'ai pas compté le truc qui est con. J'aurais dû compter là.
Hop, là je fais une brioche. Avec mon blé. J'aurais dû replanter le truc. J'ai pas été malin. Oh, alors que le soleil se couche déjà sur ma planète. M'attendais pas à ce que le jour passe aussi vite. En fait, j'étais distrait par Captain Morbide et son cousin là. Ils m'ont tellement guaqué que. J'ai pas vu que la journée passait. Oups, excusez-moi, j'ai l'oreille qui pleure. Oui, pardon, je vais arrêter un peu ma lampe parce que de l'avoir dans la tronche, ça me fatigue, hein, vous l'aurez compris. Bon, ça va tomber. Hop, allez, là, ça tombera pas. Oh, c'est la souris qui tombe, magnifique. Hop, on y retourne, pardon. Ah bah tiens, j'aurais pu faire ta pub. Attendez, excusez-moi. Je vais faire ta pub. Hop, petit Seb. Voilà. Merci beaucoup. Bah c'est normal. Tant pis. Ça va de souhait. Oui. Alors il est rentré Captain Morbide ou... Ah il est là. Oh il a encore un cadeau à m'offrir. Ah de la thune. Oh oui bien presque merci. Il me manque 96 maintenant. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Oh bah il veut que j'aille chercher un soldat en chapka là. Pourquoi pour... Ah, bah il y a un coéquipier. Ah, ça veut dire qu'il y a des ennemis. Merde, ça veut dire que je risque de me faire allumer. Bon, bah on va y aller prudemment. C'est là où je meurs, tu sais, à 100 pixels du... Là, je suis fou. Allez, on y va. Oui, je suis fou. Je relève le défi. Et vous allez voir que je vais mourir comme un caca. Oh bah tiens, il y a déjà un molardeur de mes deux. Oh merde. Oh, ils sont nombreux les molardeurs, c'est pas possible. Bouffe. Oula. Ah oui, c'est vrai que je peux recharger dans la tente du gars qui garde la mine. Hop, c'est tout bénef. Ah, faut passer au-dessus, ouais. Il s'agit de faire de l'escalade. Donc le gars serait là-bas. Oh merde. Wow, 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 oui, là je suis en train de me faire allumer et j'ai pas compris par quoi. Effectivement, l'ennemi est balèze. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, d'accord. Merde. Ah! Il se rend. Il se rend. Il prend feu, mais il se rend. Et quand il se rend comme ça, des fois en lui parlant, tu peux le. L'arraisonner. Le recruter. Mmh. Ça m'est arrivé deux fois, mais comme c'était des bandits, j'ai refusé. Ouais, ouais. Oh, le brigand. Il a failli mourir parce qu'avec sa chapka, il était encore en feu avec mon lance-flamme. Oh, le vilain. Oh le salaud! Il m'a assassiné dans non le mais dos. Mais brigand. Il prend pas de dégâts en plus! C'était pixel. Merci monsieur. Presque! 51. Il me manque 49. Mais non, celui-là, je te l'avais donné ou pas? De quoi? Il a fait mal. Attends. Je crois pas. Ah si, attends, c'est peut-être un doublon. Bah sinon, je le vends.
avec ton autorisation. Bah, va à l'outpost, tu vas le vendre au moins 300. Hein. Oui, je l'avais. Donc, effectivement, je vais aller le vendre, comme tu dis. Ah, bah, magnifique, grâce ouais, à toi. Ouais, toi, tu m'attaques pendant que je dors? Qui c'est qui t'attaque? Un pigeon, là. Il a pris ma lance dans le cul, ça l'a calmé. Suppositoire pour Piaf, spécialité de petit Seb. Oh. Il y en a qui sont allés se faire déplumer. Avec option perceuse. Pardon. Excellent. Bonjour madame. Je voudrais vous vendre un plan de Mecha. Ah oui, 480. Merci petit Seb. J'avais ma licence. Et tant que tu y es, tu peux aller acheter ta licence. Oui, exactement. Je veux avoir le format supérieur de mon vaisseau. Oui, monsieur, Fix Sparrow License. Let you permanently upgrade your ship to a bigger Sparrow type Corvette. Oui, je veux la licence Corvette. Alors, cette autorisation de légitime d'augmentation de vaisseau, veuillez voir le pingouin Pit avec deux modules d'optimisation pour optimiser votre vaisseau. Alors, module d'optimisation, je les ai où dans mon inventaire, moi? C'est le bordel. Ah, je les ai pas sur moi. Attendez, je vais aller les chercher dans mon vaisseau. T'en veux, j'en ai. Oh, non, t'es adorable. Il t'en faut deux, c'est ça, hein? Oui, s'il te plaît. Ici, monsieur... monsieur Pingu. Oui, monsieur le pirate, s'il vous plaît. Merci. Oui. Moi, je veux trop voir le vaisseau du sage étendu au maximum, parce qu'il va être magnifique, son vaisseau. Le vaisseau château. Merci messieurs. Alors téléporteur. Sinon tu cliquais sur la flèche pour rentrer à ton vaisseau. Oui mais bon je faisais ça proprement. Ah, j'ai deux nouvelles pièces normalement. Non, une seule. J'ai la pièce du dessus. Attendez, j'inaugure. Ça se vertical. Ah, j'ai ma pièce supérieure. Oh, mais c'est bien. J'adore le dessus, ça fait déjà forteresse. Oui, c'est un château volant. Et n'oublie pas, tu sais que tu peux défaire le fond de ton vaisseau, tu sais, comme ça. Ouais, je sais. Comme ça, tu Et tu fais attention, parce que heureusement qu'on a les EPP, parce que sinon tu respires plus. Oui, c'est terrible. Mais ça c'est va bien de démonter ton vaisseau. Bah oui, je vais changer la déco, moi. J'en ai marre de ces barres en plastoc PVC. De moi, ces barres toutes grises. Mais pourtant, tu veux des briques à la place? Ça sera moins gris. Bah, je pense que je vais mettre plutôt des lattes de bois. Ce sera plus chaleureux. Bon, là, vous allez voir les circuits du vaisseau. Mais... Merci, petit Seb. Je suis heureux d'avoir ma pièce supplémentaire au-dessus. Je vais faire ma chambre ici. Ce sera bien. J'ai l'impression que mon animal de compagnie va me rejoindre, mais il faut que je fasse une plateforme. Mais ça va venir, attendez. D'ailleurs, il faudra qu'on trouve la technologie, tu sais, du sas à l'horizontale. Trouve... Attends, j'ai pas compris, ça a sauté. Qu'on trouve quoi? Le sas à l'horizontale pour nos étages. Enfin, moi, du mien. Ah, t'as bouffé un peu du bas que t'as pas enlevé. Ah, exact. Il est là. Oui, effectivement, je vais remettre la plainte au sol. J'ai dérapé, effectivement. J'avoue. J'ai glissé, chef. C'est ça. Bougez pas. C'était cette matière-là que je sélectionne et que je repasse en précision. Voilà. Ah non, je l'ai posé au premier plan. Devant. Quel idiot. Je l'ai posé au premier plan, je l'ai dans les dents. Clic gauche, clic droit. Voilà la différence entre premier plan et arrière-plan. Oh, cochonou, il a réussi à monter. Trop mignon. Et le petit malin. C'est ah, il est parti dormir. Bah oui, ça l'a épuisé comme exercice, le pauvre. Oh, je mettrais presque le bar que tu m'as offert. Attends, vas-y voir. Ah oui, ça prend de la place, la vache. Non, c'est sympa pour recevoir les copains. Ah. Je vais essayer de... Intérieur bois. Si tu veux... Mm-hmm. Je sais pas si on l'a là. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que ça te dit de faire le... Mm-hmm. Le site de test d'armes
en mission. Si tu veux. Merde, pardon. J'ai cliqué là où il fallait pas. Mais il y a des caisses, elles sont vides. D'ailleurs, je suis un idiot. Je peux agir plus rapidement en faisant ainsi. Voilà. Moi, je trouve que c'est déjà plus sympathique comme ça. Voilà. Je trouve que c'est déjà plus sympathique comme ça. Oui. Tiens, cette tente-là, je la connais pas. Je la scanne. Ça aussi. Attendez, je me suis TP à la mission, donc si tu veux... Oui, je vais venir. Attends, j'aménage expressément ma nouvelle chambre. Non, attends. Repli stratégique. Oh. Quand tu dis ça, tu fais flipper. Non, c'est juste que je veux changer d'arme. Ah. Il est où mon lance-roquette? Je laisse en bas ou je la... Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai vendu? Non, j'ai vendu mon lance-roquette. Bon, si. À défaut d'avoir une passerelle... Je vais prendre ça, alors. Je vais faire ça comme ça, moi. Oh, la gazinière, elle reste là, en attendant. Oh non, ça fait débile. Il faut du point pas loin. Du gros soin bien rapide, et du... Petit soin moins rapide. Voilà qui est mieux. Bon, trop sympa. Je vais aller voir à la base si j'ai pas. Alors, puis-je te rejoindre ou pas? Je suis à la base, mais avec le tableau de bord, tu peux lancer la mission dans ton vaisseau. Weapon testing site. Ouais. Papa, je continue de personnaliser les lieux. Oh, hop, allez. Attention. Téléportation, c'est parti. Oh, ce bar branché avec un écran d'ordi. Au moins, t'apprends des infos. Attends, j'avais qu'un seul. Ah, je me disais bien que j'avais condamné un hublot. Je me disais, ça fait un peu triste. Voilà, là, on voit l'univers, au moins, par le hublot. Aïe, aïe, aïe. Ibi. Les petits animaux innocents, je les ai massacrés. Pas que tu parles. T'as aucune preuve. Ah. Y'a pas de preuve, y'avait personne. Alors que ça, je l'ai déjà... Même moi, j'étais pas là. Donc tu peux te TP quand tu veux. Et voilà, t'as pas de bol, je suis retourné dans ma planète faire de la récolte. Le rythme est complètement cassé, mais tout va bien. Oh, petit kiwi. J'ai récolté le kiwi. T'es quoi toi? Ah, t'es mort. Ouf. Oui, bon, personne. Un petit cake. Attendez. Eh, y a une plante. Une plante. Oh, c'est une nouvelle plante qu'on avait pas. Trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Captain? Ah oui. Je voulais me remercier pour la manœuvre précédente. Oui, cuisine. Attends, avant que je te rejoigne, autant que je fasse ma popote. T'inquiète pas, moi je casse des bonhommes de neige. Ah, le popcorn qui se respecte. Alors non, je vais pas cuire la tomate, je préfère la réduire en jus de tomate. Ce sera plus sympa, je trouve. Merde, attends, oh non, les boissons sont là.
Jeu de kiwi aussi, c'est pas mal. Voilà. Et là, à mon avis, je vais partir jaune. Téléportation. Directement sur le vaisseau. Bon. Rejoins le petit Seb. Oh! Vous, Dudu. Scanner la tête de mort, ça te l'a pas fait. Bien vu. Merci. Il y a des morceaux de glace au sol que tu peux scanner aussi. Mmh. C'est par là-bas. C'est à gauche. Oui, évidemment. Là, c'est la fin du monde. D'aller à l'opposé. Oh, ça se tombe! Ah, tu peux interagir. Non, ça se tombe pas. Non, mais t'y as cru, mais. Oh mon dieu, ce tir. Ah! Il y avait un truc innocent. Je vais le tuer. Ah, il y a des trucs à scanner là-bas aussi, si tu veux. Je sais même pas si tu as scanné le téléporteur. Attends. Ouais. Bah déjà, il y a une porte. Faut pas descendre dans la par la porte, hein, ouais. Si tu vas à l'objectif de la mission. D'accord. Enfin, après, tu peux le refaire autant que tu veux, comme d'habitude, mais. C'est ça qui est bien dans Starbound, tu peux tout refaire. Ouais. Là, il y a plein de trucs à scanner ici. Ok. Le radar, oui. La tente. Bien vu. Qu'est-ce tout ça? Ah oui, puis en dessous c'est la mort. Yébé, ce bordel. Ah, tu casses un truc, ça, avait, ça a laissé du loot. Oui. Ah, j'avais pas scanné la porte. Ah, moi c'est l'effet de la porte. Je vais voir si je fais ça. Ah ouais. Si je suis accroché au mur, je peux passer les passerelles sans avoir besoin de me baisser et d'appuyer sur sauter. Attends, moi ce que je comprends pas, c'est que j'arrive plus à descendre. Bah. Ah, pardon. Ouais. Il faut que tu lâches, sinon tu descends jusqu'au bout. Ouais, j'avais perdu le réflexe. Quoi? Mais pour le fight? Bah écoute, allons-y. Il a essayé de me boxer, il a pas réussi. Aïe 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 aïe, j'ai fait mal le salaud. Attends, je vais essayer de lui passer de l'autre côté comme ça. Là pour le bloquer. Yo. Faut dire aussi que mes armes sont pas super. Ah, je peux lui balancer des molotovs dans la tronche, ça peut être drôle. Alors. Ah oui, il aime pas. Oh la vache! Je crois que ça lui pose problème le molotov. Mais c'est surtout qu'il reste dans le feu. Oh merde, il décolle. Oula. Oh la vache, le salaud. Wow. Wow. Oh la vache. Il est une sauce hein, à son tour. Sacré robot. Aïe. Putain, je suis moi-même un robot, alors il m'envoie... Wow. Au secours. Attends, j'envoie des molotovs, hein, il va pas aimer. Ah. Il a essayé de nous serrer, salaud. Ah, on s'en sort plutôt bien là, faut qu'on va se concentrer. Ouais, enfin, on lui avait à peine un quart. Hein. Oui, bah attends, le rythme est bon, le rythme est bon. À l'usure, on l'aura. Ah, il y a une touche que j'ai pas changée, ça va me poser problème. Oh. Ah merde, ça me brûle moi aussi. Oui, non, il va pas dans mes flammes, malheureusement. Ah, il me reste encore deux molotov. Attends, je vais garder un peu pour stratégiquement bien utiliser le bordel. Ça lui a fait bien mal, ça l'a bien descendu. Hein. Tant mieux. Oh merde, je suis carrément évacué là. Oula. Vite ma vie. Ah. Ah, quand il fait ça, il est. Quand il fait un dash comme ça, il est planté au fond. Bonjour, toi. Ah, il recommence avec sa. Ouais, son feu, son lumière. Aïe 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 aïe. Non, moi je balance les soins là parce que. Vite, mes soins là. J'ai pas l'impression qu'ils font effet. Ah bah, ils m'ont eu. Là, je suis mort.
Moi, on va bien, merci Touratage, j'espère que toi aussi. Je vous rejoindrai que cet après-midi, hein, dans tes eaux. Ce matin, je suis avec Petit Seb sur le Starbound. C'est après ma pause déjeuner que je vous rejoindrai dans tes eaux, les copains. Ah! Mais oui, j'espère que tu vas bien, Le salaud, il Tonton. m'a eu. Alors, Petit Seb, téléport. Ouais, je vais bien, merci. Bon, c'est cool. Je vais bien. Je le bordel. Aïe! La Molotov dans la tranche. Oh là là, comment tu l'as fait, bobo! Ah! Oh, il est propre là. Ah oui, il est verrouillé, forcément. Il est séparé. Ah, il recommence son. Oh, il est chiant là-dessus. Aïe, Là, il m'a encore ah eu. merde! À toi Une aussi. connerie. Non, 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 c'est bon, moi je suis pas mort. Ah d'accord. Je suis en train Heureusement, de sinon on devait recommencer. parler assemblage. Non mais de l'intérêt d'être plusieurs, parce que quand on est tout seul, la mort est douloureuse. Hop là. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, ma Bon, allez, meurs pas, il est presque. C'est presque son tour de crever là. Je l'allume. Je l'allume. Ah voilà! On l'a eu. Ah, Qu'est-ce il qu'il a a? tout piqué! Thanks for helping me, blablabla. Merci de J'adore m'avoir aidé à tester. tester mon méca. Ouais. Connard, t'as failli nous tuer! Enfin, moi failli, le sage y est passé au moins deux fois. Ah, on le reverra à son atelier, il nous dit. Oui. Mais du coup, c'était quoi le papier qui t'a filé là? Oh pardon, attends. C'était. Ah, c'est un codex pour. Attends, je le lis, j'en fais une copie dans ma base de données et je te le donne. Oh oui, intéressant. Tiens, regarde, lis le document. Ah oui, mince, il faut que je fasse comme ça, attends. Voilà, pardon. Merci. Je vais aller me Y a soigner pas dans ça. mon vaisseau, petit Seb. Oui, vas-y. Est-ce que ça nous... Est-ce que ça nous aurait donné des crafts supplémentaires? J'irai peut-être pas jusque là, mais c'est toujours ça de prix. Je vais aller voir, moi. Mais je suis content d'avoir... Oh! Pardon, je bois mon café, mais je viens de rigoler parce que comme j'ai aménagé mon étage supérieur dans mon vaisseau, j'ai mis le comptoir de bar que tu m'avais offert, petit Seb. Et ben, figure-toi que mon animal de compagnie, qui est mon cochon là, il s'est mis à galoper et à se laisser glisser façon mannequin en cédar sur le pupitre, enfin le pupitre, le comptoir de bar. Il a rien de trouvé plus amusant que de se mettre à sauter dessus et à courir comme un dératé dessus et n'importe quoi. Ah là 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 là, il s'amuse comme il peut. Ah là, je suis revigoré. Alors, nourriture. Il fallait que je fasse. Ah oui, le cadeau. J'avais un cadeau de Captain Morbide. Oh! Il m'a offert une dague. Oh la vache! La dague, elle est puissante. Elle fait empoisonnement. La lame est empoisonnée. Je suis un homme dangereux. Trop bien le cadeau de Captain Morbide. J'adore. Ouais, donc tu vois, moi je suis allé rendre la quête, et Oui. du coup, il te file une autre quête, un autre test avec le mecha, et il nous dit que si on arrive à la faire, il nous laisse le. Non, j'ai pas compris s'il nous laisse le mecha ou s'il nous laisse le schéma du mecha. Il nous laisse la paix. Ah, trouvez-moi quoi? Oh là là, mon Dieu. Ah, puis je suis pas allé voir Mamie Nova de l'espace. Ben moi je suis en train d'y aller là. Ouais, je vais prendre le téléporteur pour la rejoindre et puis hop. TP-toi sur moi, j'y suis presque. Oh! Oui, merci. Attends, je fais connaissance avec quelqu'un. Quoi? Où est Rome? Ok. Waouh. Oui, je vais me téléporter à toi. Je t'en prie.
Effectivement. Merci. Bon boulot, Dakodak. Oui, et le cadeau c'était un gobelet. Ah non, c'est un point, d'accord, pour faire des uppercuts. Ah, c'est pas con. Ah oui, il y a un truc là-bas là. Je suis violent. Il y a un truc là-bas, oui, oui, oui. Attends, je parle à Mamie Nova. Alors, mission obtenue. Regardez votre ordinateur de bord. Il faut trouver l'artefact du grand Pagoda. Ah oui, la bibliothèque Pagoda. Les coordonnées de la... C'est la mission pour la deuxième gemme, je pense. Merci, Mamie Nova de l'espace. Oh, Nourou. Nourou. Elle est magnifique, la grande Nourou. Non, pas maintenant. Mais un jour, je ferai gladiateur avec toi, Nourou. Ce sera un grand honneur. Mais je ne suis pas si, quand t'arrives au téléporteur, tu peux te TP à moi. Ça te fera gagner du temps. Je même sais. Si je suis toujours... Dans c'est même merveilleux. Endroit. Merci, petit Cheb. Moi, je me mets en boule. Burp. Oui, allez, je te rejoins. Do you believe... Déjà, tu peux finir lui, reprendre sa quête. La lance pas. Station d'assemblage. Oh, tu peux me rajouter un klaxon. Ouais, j'en ai trois des klaxons. Oh, il pète en blanc le... En fait, là, c'est pour assembler ton vaisseau, et celui d'à côté, c'est pour fabriquer les pièces. Oh, c'est énorme. Bonjour, Christella. Oui, on va bien. Il y a Christella qui te salue, petit... Salut, Seb. Christella. Oui, on va bien, merci. Oh, j'hésite. J'adore le rouge. C'est ma couleur favorite. Oh, je résiste pas. Ah oui, on peut l'améliorer. Ah oui, il est de base en fait le truc. Oh la vache! Oui, mais là, ici, la station d'à côté pour fabriquer. J'arrive, j'arrive. Oui, pour améliorer les trucs. Oh là là, oh le bordel. Oh, oh mon dieu, on va faire du super méta bientôt. Voilà. Et du coup, si tu traverses le couloir jusque de l'autre côté. Oui, monsieur. Le truc en ruine, il est ouvert maintenant. Oh. Alors que j'ai un super uppercut. Oh, une poubelle. Non, y a rien dedans. Je suis un recycleur de l'espace. Oh, un pingouin de l'espace. C'est n'importe quoi. J'avais pas analysé sa boutique. Oui, je vais faire pareil. Quoi? Ah la vache, il améliore le... Ah oui, l'arme, je l'ai pas déjà, le chakram. Et, je l'améliore par le passé, et moi, le chakram, je l'ai. Oui, mais c'est je bien, l'ai gardé en plus. Améliore-le pour toi. Ah bah tiens, le point que nous a donné Mamie Nova de l'espace, on peut l'améliorer aussi, mais ce sera pas pour maintenant. Ah oui. C'est très bien. Ouais. D'accord, le pingouin te dit oui. Si tu veux faire mon test, il vaut mieux que t'assembles un meilleur méca que celui que t'as de base. Oups. Oui, bah oui. Il y avait lui en bas qui avait un boss là. Je le tatane aussi tant qu'on y est. Tant qu'on est à taper sur des pingouins là. Ça parle mal. J'ai toujours du soin, ouais. Il va allumer son bar lui un jour, c'est d'un triste de laisser dans le noir. Comment veux-tu avoir des clients si tu laisses tout dans le noir, mon gars? Alors, y'a quoi de beau ici? Attends, je te joins là parce que je suis intrigué par la mission du pingouin. Oula, ça tire, qu'est-ce que se passe-t-il? Y'a des soldats pingouins. Oh mon dieu. Attends, je nettoie. Oula, non, c'est pas par là qu'il faut aller. Hein? Bah non, y'a des pics. Ah, je peux pas les casser celle-ci. Non, c'est immuable. J'espère que t'as une arme à distance ici. Oui, j'ai mon lance-flamme. Ah! C'est très vilain d'aller. Pas sûr qu'il ait assez de portée. Bah, il m'a allumé aussi. Bah, sinon, j'ai mon super arc que tu m'avais offert là, qui fait de la bouffe. Bon, j'ai plus de molotov, dommage. J'ai pu quitter la vie. Ah, il est dans les eaux glacées, il résiste à mon lance-flamme. Ouais, je l'avais pas vu l'autre en dessous. Bah, il y a une tente là, sur la gauche, si tu veux récupérer. Merci, merci. Fais gaffe, ils ont des tanks! Ouais, j'ai taré. Oh, je l'ai presque one shot. Non, sérieux? C'est beau. C'est beau. Oula, viens ça. Non, c'est... Ah, attention, il est derrière toi. Ah merde, je l'avais pas vu lui. Dans la flotte, je les vois pas. Mais oui, je vais me soigner, je suis à moins de la moitié de mes PV. Oh.
Oh la vache, salopard, comment qui m'a allumé. Yalas. N'hésite pas à revenir te soigner. Oui. Je me répète, je sais, mais... Non, mais tu as raison. Je te donne entièrement raison. Ça déconne zéro avec les pingouins. Mais ça se voit qu'on a des meilleures armures quand même. Parce que oui. Moi je sais que avec Lanou et Tira, on a essayé de venir, on était à poil. On prenait un coup, il nous restait un PV. On avait envie de pleurer. Oh merde, le boss est là, je l'ai provoqué. Oh my god. La grande choucoupe volante pingouin, j'adore. Je sais pas ce que soigner, j'arrive. Ah, je me fais canarder. Dreadwing. De la mort qui tue. Où êtes-vous, bande de sagouins? Enfin, de pingouins, je ne sais plus. Ah, mon lance-flamme est à sec. Aïe, 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 ils viennent de me percuter avec leur énorme vaisseau, ça fait mal. Au secours, petit chef, je fais pas le poids tout seul. Il fonce à gauche au... À la tente. Et comme c'est toi qui l'a déclenché... Aïe, 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 aïe. Ouais, il va rester sur toi. Donc je vais me barrer. Donc je bouge en fait pour me survivre. I will survive. Oh, là je m'occupe de ceux qui sont au sol. Ou pas. Ah. Oh les cons. Oula, 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 j'arrive pas à suivre, là, y'a trop d'action là, oula. Ouais, j'ai besoin de soins. Ouah. Mais arrêtez de me tomber dessus, bande de fous. Ils sont cinglés, eux. Ce plaquage. Oh, cette téléportation. Il est costaud, lui. Il est costaud. C'est un boss respectable. Respecté, je sais pas. Ah! Ah! Mais ils sont des ennemis seuls, attention. Aïe 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 aïe. Ouah, quand je le tape avec la lance, il a mal. Bah, c'est bien. N'hésite pas. Attends, moi je m'occupe des deux sticks au sol. Il a des copains! Mais oui, mais attends, je suis en train de m'occuper, j'ai un copain au sol, je peux pas tout faire en même temps. Aïe. On va gagner les doigts dans le nez, c'est faux. Ouais, les doigts dans le nez, je sais pas. Gagner peut-être. Attends, c'est sport là. J'arrive pas à suivre le rythme tellement qu'il est intense. Oui, il a des copains, effectivement. Ouais, je l'ai allumé, je lui ai foutu un coup de lance-flamme, il a pas aimé sur la côte. Il est presque mort. Là. Aïe, 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 il m'est tombé dessus, au secours, ça fait mal. GG, tu es la meilleure, petit cheb. Attends, je lis le codex et je te le donne. Je vais faire copie de ce document. Ah mince, oui, ma l'autre, je l'avais donné. Merci, copie faite à ton tour. Oh, pardon, j'ai lancé du mauvais côté dans la flotte. Alors attends. Le bouquin est bousillé, je suis désolé. Ah. Tolérant, comme c'est toi. Si, si, tu l'avais, c'est celui d'avant. Que tu oui, m'as filé. Je suis d'accord. Mais comme tu m'as. Tu avais gardé tous les bouquins, je te les rends. Exactement, je suis officiellement l'archiviste de l'équipe. Oh, le bras zéro, je l'avais pas modélisé, le bras zéro. Je suis d'accord. Ah, oh, bah, même les. Oh, mon dieu. Bah, oui, tu as raison. Au sol, il y a les espèces de formations neigeuses qui sont à scanner. Ouais, ouais. C'est intriguant. Est-ce que j'ai scanné ça, là, ouais. Ce sera sûrement un élément de décoration pour plus tard. Bah. On a gagné. On est les plus forts. Yeah, j'adore ma tenue. C'est rigolo. Ouais. Comme ça. Et moi je dis le sage, il fait bien la cible mouvante. Mmh. Parce que n'empêche, tu la trigger. C'est du vrai. Coup il te poursuivait et moi j'ai pu lui tabasser comme je voulais. Bah oui, c'est ça qui est bon. C'est une bonne technique. On a un lapin qui fait du surplace. Pauvre petit lapin. Ah, même la tente, dis donc, j'avais pas ce modèle là numérisé, c'est fou ça. Ah, est-ce que j'ai de la tente? À la base, doit y avoir une tente que t'as pas numérisée aussi. Parce que j'ai ramené une tente militaire. Oh, tu m'intrigues, je vais prendre le téléporteur. Ta base à toi, je présume. Oui, bah moi je dis la base parce que c'est la base pour nous en fait.
Bah ouais, mais j'ai la mienne aussi, mais bon, c'est pas grave, je Ouais, t'ai mais c'est coupé. pas grave. On peut avoir une base commune et une base chacun, c'est pas un souci. Exactement. Attends, je vais te rendre visite du coup. Ta base à toi. Une tente que j'ai pas numérisée. Alors. Oh mon dieu, je peux faire la récolte de tes champs là, ils sont. Wouh! Ah oui, il pleut. Attends, tu vas faire du gâchis là. Excuse-moi, je fais la récolte chez toi parce que. Là, optimisation de la bouffe, là, on perd des trucs là, c'est. Wouah! Wouah! Mince, j'ai éteint la torche tellement que je suis enthousiaste à l'idée de faire la récolte. Ah non, il y a plein de trucs à faire chez toi. Alors, replanter Ah les mais voilà pommes. qui va me piquer ma bouffe maintenant. Bah oui, mais il y a gâchis si tu veux, parce que il flotte au moment où j'arrive sur ta planète, donc c'est tout a germé. Voilà, tu m'auras compris. Mais je replante Bah et poliment les pommes. alors? Bah voilà, Oh. c'est-à-dire qu'on va se partager la bouffe après. Enfin, d'ailleurs, j'ai tellement fait une belle récolte chez toi que il faut continuer à labourer tes champs, j'ai pas assez de place. Qu'est-ce que c'est que cette limite? Oh mon dieu! Oh, c'est merveilleux, regardez-moi ça. Le popicorn, je peux en faire 9, c'est énorme. Wow. Oui. Je suis allé rendre la quête là de la soucoupe. Et. Et en fait, le mec il t'ouvre un magasin, il te vend des pièces, je sais pas quoi, contre 5000 pixels, donc c'est cher. Mais si tu payes, si t'achètes la pièce, avec la pièce, tu peux invoquer un pingouin mercenaire pour venir combattre avec toi. Excellent, nous avons droit à du renfort. Ça me plaît. C'est extraordinaire. Ah! J'ai plus de place dans l'inventaire, au secours, j'ai trop de bouffe sur moi. Ah mon dieu. Mais c'est que moi je récolte pas tout en fait, contrairement à toi. Oui, non mais moi Et je là je suis un vois que fou t'as tout furieux. récolté Bah oui. et t'as rien replanté. C'est faux. Alors là, c'est Ah faux. oui, alors j'ai plus de patates, j'ai plus de carottes. Attends, pourquoi t'as plus de pommes de terre? Parce que j'ai pas de graines de pommes de terre, là, il y a un bug. Alors, carottes, je Ah suis mais d'accord. J'ai un plan de carottes. t'as replanté les patates à la place du blé. Ah, voilà pourquoi. Et du coup, moi je peux plus planter le B parce qu'il n'y a plus assez de place. Ah oui, non, ça, c'est un non-problème. Tu as vite fait de faire une extension de champ d'agriculture. Je te fais Et confiance je veux là-dessus, pas faire petit cèpe. d'extension de champ ici, j'avais juste ce qu'il fallait pour survivre. Oh, pardon, monsieur. Oh là là. Bah J'ai oui, cru parce vous que et je suis en train heurter de à quoi? prévoir. Tu sais, j'ai trouvé la planète là, idéale, là, sans mob, sans rien pour faire les champs, donc Ah oui, c'est je vrai. voulais pas agrandir ici. Excusez-moi, monsieur, j'avais oublié, monsieur. Je plaide coupable, monsieur. Alors attends, ça Attends, c'est attends, attends. lançable, lançable, lançable. Bah, Tu les as j'ai toutes les toutes. tailles de boules de neige, hein, hop. C'est bien. Ah oui, un cake à Une la steak. carotte. Non, en vrai, faudrait que j'essaie de faire un cake au jambon. Yum, c'est bon ça. Ouais, j'avoue. Mon papa, il était doué pour les faire. Il faudrait que je reprenne sa recette. Ça. Et que je lui rende honneur, hommage. Je En vais lui demander de croustillant côté. à mon tour. Oh, du jus d'ananas! C'est la première fois que je fais ça, moi. J'ai déverrouillé une énorme recette. Un punch. Avec du raisin, du kiwi et de l'ananas. Magnifique, une boisson fruitée pour l'apéro, c'est le luxe. Qu'est-ce qu'il y a, Captain Morbide? Ah oui, vous voulez que je vous cherche quelque chose, peut-être? Oui, non, mais non, mais non, il est fou, ce Captain Morbide. Oh mon dieu, j'ai encore des plantes à. J'ai des graines. J'optimise mal mon potager. J'ai des graines de carottes à planter. J'ai quoi d'autre à planter? Ah, pas sûr. Je crois que le reste, c'est de la bouffe pure. Ouais. Je vais pouvoir vendre des choses. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, attendez. Ah merde, j'ai pas fait les pommes de terre Qu'est-ce que t'as pas en fait? beignets. Beignets de pommes de De terre. calamar? De crevettes?
Non, oui, non, mais sous la forme de gaufrettes. Voilà, les. Oui, plutôt gaufrettes. Gaufres de pommes de terre. Enfin, je sais plus comment les appeler. Mais alors, pourquoi il me refuse mon clic, ce nigaud? Oh. J'ai une hypersensibilité du bouton de la souris, là. Ça me porte préjudice. Putain, on est d'accord, ma sensibilité de souris est au minimum. Ça devrait bien se passer. Le popicorn, 5 ou 5 popicorn, je me le garde pour moi. 500 pixels, c'est cool ça de vendu. Oh, je vais pas tarder à faire mon achat de téléporteur. Je suis proche de 1500 sur les 3000. Oh là là, tellement de choses à faire, c'est merveilleux. Tellement de pixels à avoir. Aussi, oh, petit à petit, ça vient. Alors, je suis content qu'on ait déjà pataté à cette heure-ci le boss pingouin On sur était Roulant. pataté qui? Ah, la soucoupe. Ah bah oui, c'est énorme, c'est un vrai boss celui-là. C'était un Oh beau bah l'autre d'avant spectacle. aussi, hein. Attends, Ouais. le mecha, Oui, il était t'es costaud, costaud, hein. ouais. Et Mais. d'ailleurs, je suis désolé, mais sur Pourquoi? la soucoupe, on n'est pas mort. Sur le mecha, oui. Oui, mais bien. Non, mais franchement, magnifique. Bon, bah, j'ai envie de rester sur ma planète pour faire des aménagements. Vas-y, vas-y. On a eu tellement d'actions que l'heure suivante, là, je la déclare tranquillus. Ah bon, c'est défoulé Et un peu là, là. mes pauvres. Oui, on s'est bien défoulé. Alors, j'avais oublié que j'avais encore ça sur place. Je suis fou. Réfléchissons. J'ai une grosse montagne à faire péter. Mais vraiment la grosse montagne. Oh punaise. Comment procéder? Faut que j'aille à son sommet et que je. Oh la vache, l'altitude Vaut mieux commencer tout en haut parce que sinon après. Oui, ah oui, non mais totalement. Non mais Plus un l'altitude coup de de main, fou. ça y est plus vite. Non, 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 c'est gentil. Oui, je sais que tu vas arriver avec ton mecha et tu vas tout. Bah écoute, tu fais comme tu veux, moi je vais commencer le Bah chantier. déjà non, je peux pas parce que pour déployer le méca, il faut être au-dessus de la planète. Donc je Alors, pourrais pas, mais je peux creuser avec mon manipulateur de matière. Enfin, tu fais comme tu veux. Info culturelle. Mecha, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des robots de forme humanoïde, un peu à la Bioman, pour ceux qui connaissent de notre génération la série, enfin, du moins la mienne. Donc, c'est très japonais, hein, les Mechas. C'est des super robots de combat qui font la taille d'un immeuble. Vous avez une série de jeux vidéo qui est. Enfin, célèbre de par le monde et étrangement, alors que la série est japonaise, les Japonais eux-mêmes la connaissent pas tant que ça. Qui sur PlayStation a plein d'opus, que j'en ai fait un ou deux et c'est balèze. Armored Core. Je sais pas si ça te parle, petit Seb. Pas du tout. Ben, pas play moi donc. Ben pour l'anecdote, une soirée. Alors ça fait partie d'une de mes casquettes professionnelles. Je me permets de le rappeler, secrétaire spécialisé dans la relation France-Japon. Et il m'arrive d'avoir des dîners où je reçois les Japonais sur Nancy pour voilà, les accueillir de manière diplomatique, entre autres. Et lors d'une soirée, je discutais avec un japonais qui aimait bien les jeux vidéo. Et puis je lui disais, mais merde, mais vous avez une série vachement bien propre à votre Alors, culture. le sage, je sais pas ce qui se passe ce matin, ton micro arrête pas de sauter. Comment ça, il saute mon micro? Bah, il y a des parties de ce que tu dis que je n'entends pas. Il y a des moments, t'es en train de parler et il y a un mot ou deux qui passent pas et puis ça recontinue. Alors, c'est peut-être Discord, hein, c'est peut-être pas forcément toi, mais. Alors, vous venez de me soumettre deux problèmes. Il y a Torota aussi qui me parle de Minecraft qui marche pas. Ouais, qui a un problème avec son compte. Alors, attendez, 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 les copains. Je vais me mettre à l'abri dans le jeu déjà. Je voudrais pas mourir comme un cacard, même si je suis dans ma planète d'origine. Je vais couper la musique parce qu'on a entendu 50 000 fois en boucle. Tiens, je vais m'asseoir sur le canapé. Alors, minute papillon. Mon micro, ça va pas. Ah, pourquoi? C'est bizarre, ça.
Petite pause, excusez-moi, incident technique. La question, Microphone. je vais essayer de voir avec Torota pendant que tu fais ça. Est-ce que toi, Torota, tu as un compte Minecraft ou pas? Donc déjà, c'est pas ça le problème. Si tu as un compte Microsoft, tu peux peut-être essayer de retrouver ton mot de passe. Pour voir si t'as bien le bon login ou quelque chose comme ça. Alors, moi, Minecraft, j'avais un problème il y a 15 jours qui est toujours pas résolu parce que j'ai pas compris le problème en soi. C'est pas normal. J'ai perdu mon adresse dynamique de lsdn.craft.vg. Et. Ouais, il me dit oui, t'as répondu complètement puisque je jouais déjà sur le serveur du sage. Bah oui, tu m'étonnes. Maintenant, il faut mettre l'adresse IP. Attends, je vais te la redonner. Je vais te la redonner. Je l'avais mise dans le Discord normalement. Alors, pardon de l'interruption hein, pour ceux qui regardent en direct. Ou même en différé. Excusez-moi, ça va prendre 2 minutes. Mais là, c'est vrai que c'est malheureux pour la communauté pour pouvoir jouer. Quand ça suit pas, c'est pas cool. Bougez pas, bougez pas. Ah, tu l'as, Torota? Tu as. C'est bon, t'as retrouvé l'IP. Et le Parce que je problème, dis. c'est pas sa connexion à ton serveur, c'est sa connexion à son Minecraft. Ah, j'ai mal interprété le propos, d'accord. D'accord. Ah bah merde alors. Attends, j'arrive plus à me connecter sur le jeu Minecraft qui me demande un nom d'utilisateur. Quand je mets mon pseudo, il me refuse, il me dit que le compte existe déjà. Connexion Java Edition ne fonctionne plus. Ah! Bah, Minecraft, j'ai pu y jouer hier soir. Je me suis un peu détendu sur mon serveur, donc moi j'ai pas eu de problème hier soir. Est-ce qu'aujourd'hui. Il y a une merde, je sais pas. Ah, Christella a déjà eu le pépin. En fait, elle te dit connecte-toi d'abord sur ton compte Microsoft et seulement après reviens sur Minecraft. D'abord Microsoft, puis Minecraft au niveau des comptes. Merci de guider Torota, Christella, c'est cool. Heureusement que t'es là. Et moi, mon micro, c'est toujours la merde? Excusez-moi du peu. Oui, vu que Petit Seb me répond pas, il m'entend plus. Ah, mais parce que c'est entrecoupé, le sage, et du coup je comprends pas ce que tu dis, et il s'est pas entendu m'appeler. Oh, moi de mon côté c'est opérationnel. Pourquoi tu me captes pas, Mais petit Seb? je te dis, j'ai écouté ton stream ce matin, il n'y avait pas de problème, je pense que c'est Discord. Est-ce que... Ah bah je relance alors, à tout de suite. Un, deux, un, deux. Est-ce que ça va 1, 2, mieux? 1, 2, 3, 4... Bah pour le moment ça passe. Bon, espoir. Il faut peut-être rediviser de temps à autre en rouvrant la ligne. Voilà, pardon d'interruption, excusez-nous. Espoir. Ah bah, attendez, Captain. Ok, le cousin reste avec nous maintenant. Eh bah, je vais vous installer un lit, fallait me le dire plus tôt. Le pauvre, il dort sur là où il peut, au niveau du tabouret. Attendez, je vais vous construire un lit, vous allez pouvoir dormir. Eh bah, la maison va s'agrandir. Fallait me le dire que le cousin y restait. Ah, c'est pas malin ça, du coup, voilà, je suis complètement perturbé. Mon établi est là-haut. Fabriquer un lit en bois. Voilà, tic, bougez pas. Attendez, monsieur, je vais faire votre propre chambre. Il n'y a pas de souci. Si toute la famille de Captain Planet veut venir habiter ici, moi j'ai rien contre. Regardez. C'est plus Capitaine Morbide, c'est Capitaine Planète maintenant. Oh, écoute, je sais plus, mais bref. Oui, mais venez, monsieur, le lit est là-bas. Mais moi aussi, je suis ravi de vous connaître. Suivez-moi, votre chambre. Bon, d'accord, il s'assoit sur le canapé devant son cousin qui dort dans son lit. Bon, il y a un lit à côté, hein, vous prenez vos aises et merde, hein. Bonne nuit. Je cherche plus à comprendre. Oh Ouais, là s'ils là veulent là faire là. chambre commune, laisse-les, hein. Oui, ça les regarde, effectivement. Oh, non, je vais pas faire 16 de riz d'un seul coup, je vais ranger le riz dans le meuble. Ce sera de la réserve de bouffe, c'est trop précieux. Surtout que quand il n'est pas cuit, Oui, il ne c'est gagne ça, exactement. Judicieuse remarque. Voilà, j'ai le choix entre le riz et le popcorn, c'est merveilleux. J'ai plein de choses à manger. Bon, alors, moi je vais ratisser ma montagne, oui, ou crotte? La la la, la 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 la. Eh, je pourrais le faire en musique! Instrument! S'il vous plaît, musique. Bon, jingle bells. Jingle ball, jingle ball.
Me fait agresser par un piaf. On arrête la musique. Voilà, je l'ai eu. J'ai été un pigeon rôti par sa faute. Enfin, de toute façon, il faut que je désingue ma montagne. Alors, excusez-moi, je peux pas et faire le manipulateur de matière et l'instrument de musique en même temps. Mais genre, j'aurai une mélodie d'ici quelques minutes. Vous en faites pas. C'est bien, il pleuvote, c'est cool, ça va arroser. Ça va arroser les champs, tous les champs cultivés. Ça va faire de la bouffe à vendre et ça, c'est bon pour les finances. C'est quoi ça? C'est un marchand? Ah, parlant de marchand, qui c'est qui s'était annoncé marchand dans la planète précédente? À l'épisode précédent, j'avais été marqué par quelqu'un qui disait « Je suis marchand » et je m'étais pas arrêté à son échoppe. Je sais plus, j'étais pressé à faire je sais plus quoi. Et le gars, je l'ai compris. Ouais, là, j'ai un sac à dos, c'est un sac à dos de médecin militaire. Oh! EB. C'est stylé. Tu m'étonnes. Mais désolé, mec, je dépense pas de la thune pour ça. J'ai vu une grosse bébête. Oula, cette aube sur ma planète, terrible. Ah, bien joué. Christella est parvenue à solutionner le problème de Torota. Eh ben, mes félicitations. C'est ça. GG. C'est la plus forte, Christella. J'avoue. Do you believe? Don't walk away. Une tête fantomatique qui m'attaque. Oh. Alors, que je ratisse cette montagne, je vais avoir une planète plate, mais parfaitement ronde. Avec que des champs sur des kilomètres. Ça va, le piaf qui s'est approché de moi était pacifiste, ça me rassure. Ça m'aurait fait suer d'interrompre mon bon rythme de désingage de montagne pour neutraliser un vilain piaf. Tranquille, open air, pépouze. Ah, c'est pas toi qui voulais de la clé? Oui, l'argile, la clay. J'aime bien pour en faire des briques rouges. Ah, parce que là, je suis sur une planète, le sol, c'est que de ça. Hein. Oh, c'est merveilleux. Il y a une autre matière... Comme je pose le... Oui. Pardon, il y a une autre matière que je convoiterai plus tard, mais on n'a pas ce qu'il faut. Parce que ça se trouve sur les planètes gelées. C'est les pierres phosphorescentes bleues et jaunes. Ça, tu peux faire des décors magnifiques avec. Mais on verra ça plus tard. Ça... C'est pas pour maintenant. Mais là, la clé, ouais, je vais t'en rapporter. Mmh. Tu me lâches? Oh, il y a un beau soleil sur ma planète, c'est merveilleux. Il fait un temps magnifique. Quelques nuages au loin. Ah, c'est vraiment le moment où on est posé au calme.
C'est un contraste violent par rapport à il y a une heure où on se battait contre les boss là, entre le Netcha et la soucoupe volante. On peut vivre de tout dans ce jeu merveilleux qu'est Starbound. Comment ça, Torota? Comment ça, Alors, il y a la fibre végétale, mais là, cette fois-ci, je ne vais pas la préserver. Puisque je désingue la planète, oh, la montagne intégralement, qui est bien trop grande pour moi, et qui ne se cultive pas. Du moins, pas sous cette forme-là, c'est pas pratique. Je vais d'ailleurs essayer de commencer à faire une pente douce en direction de mon champ que j'ai pu à faire de l'escalade. Bah oui, il y a la bestiole qui m'a repéré forcément. Quoi? Mais non, elle est pas morte. Ah oui, elle est tombée là-bas, cette nunuche. Oui, pardon, je vois que ça s'agite dans mon chat. Tout ce que j'avais dans le coffre, armure en diamant, épée, tout ce que j'avais trouvé ont été effacés du coffre. Je suis à poil et bloqué dans l'ancienne cité. Comment c'est possible? Tout ce que j'avais dans le coffre, armure et diamant, épée, tout ce que j'avais trouvé ont été effacés du coffre. Il aurait perdu son inventaire, j'aurais dit c'est le problème de compte, mais effacer un, supprimer un coffre, oui, j'ai c'est bizarre. Ah merde, Torota, ne me dis pas que ta cité et ton coffre étaient dans les trucs que j'ai déblayés, tu sais, les territoires extérieurs pour soulager le serveur. Parce que là, on commençait à prendre trop de place sur le serveur en capacité mémoire, enfin mémoire stockage. Parce qu'on était allé trop loin dans l'exploration pour la nouvelle version et les nouveaux biomes. Donc si t'étais hors des limites de ce que j'ai... Après tu dis c'est pas grave, bah tu me rassures. Parce que je suis pas prêt de pouvoir restaurer la sauvegarde. Il y a eu beaucoup de changements entre temps. Donc je suis désolé Torota. Oserais-je dire que ça relance ta partie. Mais il faudra que t'arrives à évacuer ta cité antique en étant à poil comme tu dis. Désolé. C'était à 3000 de distance. Ouais, et ben je crois que j'ai effacé à partir de 2500. Ceci explique cela. Désolé, Torota. Ah bon, je suis là. Je termine avec des madeleines pépites de chocolat, mon café. Ceci explique cela. Ah oui, 3000 cubes de distance, c'est trop loin. Mais oui, je sais qu'on décide pas de la position de la cité antique. Oui, c'est pas grave, oui, bah tu me rassures. Mais c'est vrai que par rapport à la dernière fois où tu t'étais connecté, ça fait un paquet de semaines. Et crois-moi qu'il y a eu des avancées, moi, de mon côté. Là, pour une fois, le mois qui vient de s'écouler de juillet, j'ai pu avoir le plaisir de jouer à Minecraft quasiment tous les soirs. Donc je vous prie de croire que moi, j'ai beaucoup avancé. Ça me ferait suer de restaurer une sauvegarde vieille d'un mois. Donc tu me rassures. Merci pour le retard. Ah là 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 là. Eh ben bon courage dans tes aventures cubiques, ton retard. Fichtre. Alors, comment je ratisse ma montagne, moi? J'ai envie de dire mal, parce qu'il y a encore plein de choses à... Il y en a du volume et des modes de terre et de pierre à Shkwing. À Shkwingé. Oui, oui, oui. Le relief est très escarpé. Oh la vache. On fait des choses à éliminer. Ah!
T'as une idée? Ah bah c'est bien. C'est cool, Torota. Si ça peut redynamiser ta partie. Ouais. Si ça peut redynamiser ta partie et ton envie de jouer, c'est tant mieux. Miam miam miam, il faut que je miam moi. Oh, moi aussi. Ouais. Très bien. Ma galette de pommes de terre que j'ai pas vendue. J'ai récupéré combien seulement 3. Et ça m'a vachement rechargé de l'énergie. Voilà. Ah ouais, non mais c'est la folie comment c'est escarpé quoi. Pour déblayer la montagne, là je vais en avoir pour des heures. Mais bon, ça fait partie du jeu. J'ai sauté, je suis mort, point de réapparition 0-0. Ah oui, pour provoquer ta... Oui, comme t'es à poil, bah oui. Eh oui. Effectivement. J'ai trouvé une épreuve, tu veux la faire ou pas? Ça peut être rigolo. J'espère que je vais pas crever comme un caca parce que j'ai plein de trucs sur moi, mais bon. Bah pose avant, j'ai le temps. Ouais, le problème c'est que j'aurais beaucoup à poser. Mais prends ton temps, moi je te dis je. Parce que j'ai plein de ressources en fait sur moi. Je me balade et je cherche du titanium là. Ah oui, c'est quoi ce moi? Il faudrait que je les range dans la boîte dédiée. Ah, j'ai ça, matériel d'agriculture, je prends le risque de garder sur moi. Oh la vache, il y a tellement de trucs. Wow, j'ai 51 circuits imprimés. Vache. Je suis bien un robot. 51 circuits imprimés? Ouais. Ouais, parce que moi j'avais la possibilité de les fabriquer. J'avais et l'établi et les ressources, et à un moment, un épisode précédent, c'est vrai que j'avais généré à tour de bras des circuits imprimés. Ça sert au niveau technologique, évidemment. Ça va de soi. Donc je me suis rué dessus. Alors attends, là j'avais. Ouais, j'ai pas mal de ressources précieuses. Oh la vache, les cocons, j'en ai 44. Bien. Moi, ce qui me manque, c'est le titanium pour que je puisse crafter mon vaisseau, mon méca. Tes chefs vont bien guister là. Eh oui. Je suis à 43. Oh la vache, il faut que je me mette dans une caisse parce que j'ai tellement de trucs que j'ai plus de place. Oui, je m'en voudrais de perdre ça aussi si je devais mourir comme un caca. Autant ranger les coffres et les boîtes. Ça servira plus tard. Ah oui, les caisses, j'en ai 14, je les ai parmi, c'est vrai. J'ai des lampes, j'ai des végétaux. Ah oui, j'ai des bruits de construction aussi. Oh là 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 là. Ouais, non, j'ai les poches beaucoup trop pleines. Si je meurs, ça la fout mal. Attendez. Je sais même plus comment gérer tellement que j'en ai plein les couilles. Oh là là, oui, je fais des doublons aussi. Ouais, bon, bref, je suis plus à ça près. Les vitres. Du coup, moi, je creuse de la clé. Oui, je te laisse t'amuser effectivement à ça. Là j'ai les bouquins, mais je crois que je les ai déposés ailleurs. Non, il faut que je retourne sur ma planète dans mon entrepôt là, parce que j'ai vraiment trop de trucs.
J'ai surtout mes éléments de construction et ma matière première que j'ai extraite justement en zigouillant la montagne. Évidemment, ça fait une tonne de terre et de roche. Bah tiens, tes grandes caisses. C'est des produits finis. Il est hors de question que je perde ça. J'ai des milliers de blocs de construction. Là j'ai de la terre, là j'ai du bois aussi, je veux pas perdre. Oh si, ça a son importance, ça aussi. Ouais. Là du sable, là j'ai du bois noble. Alors la terre là je peux la pose-toi une grande caisse, tu fous tout en vrac et puis tu viens. C'est ce que je suis en train de faire, grosso modo. Ou devrais-je dire grosso merdo? Oui, ça y est, j'ai vidé mes poches. Je dis bonjour à Captain Morbide, qui dit toujours la même réplique. Et le cousin, bonjour le cousin. Qui préfère dormir sur le canapé finalement, tiens donc. Alors les cousins, qu'avez-vous? Oh merci, il me donne de la thune. Il m'a donné c'est quoi ça Excel. Extrait cryogénique. Ah oui, c'est bien ça, les trucs cryogéniques. Et d'ailleurs, si tu fais de l'ingénierie, tu peux crier au génie aussi. Et où es-tu, petit Seb? Ah tiens, bouge pas tant que t'es là. Ah non, je te filerai après. Quand ça ressortit. Here we go. La porte du défi. Ah ouais, on commence avec un truc empoisonné. C'est un défi intergalactique. Moi, je me mets en boule. Oula. Oula, ça se complique. Oulala, oulala, j'ai chaud aux fesses. Aïe 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 aïe, mais je vais mourir. Plus mort. Ah, moi ça va encore, j'ai du bol. Tu peux te téléporter à moi si tu veux. Mais je crois qu'on perd pas, on perd rien en fait quand on meurt ici à part des pixels. Mmh. Voilà, je triche avec un bandage. Tiens, du coup, oui, tu perds pas, tu perds pas de trucs. Oh, bah c'est pour toi, c'est toi qui arrives au bout. Oh, j'ai un pistolet qui fait flamme à une main, j'ai un module technologique. Et oh, une guitare de rock! Let's rock, I wanna rock your body rock. Attends, pourquoi je peux plus m'en saisir? Ta-da-da, je joue quoi? Oh! Le thème du grand-père de Stardew Valley s'est intégré en hommage dans Starbound. Oh, c'est trop sympa. On reconnaît. Vous connaissez l'air? À la guitare électrique, trop fort. Merci, Dizel. Alors, c'est pas du Stardew Valley. C'est la musique de Harvest Moon. Ah bah, ils ont piqué. Non, non, c'est Stardew qui a repiqué. Ouais, ouais. Je viens de te filer 5 stacks de clés. Merci monsieur. Moi je joue de la musique. Je suis fier de ce que nous avons fait pour ici. Regarde où j'en ai. Ah, ça m'a TP au vaisseau. Attends, t'as fait la boule sur le côté? Parce qu'il y a un truc là. Oui, oui, il y avait deux manipulateurs modules. Ah. T'es ressorti du coup? Oui. T'es dans les grottes? Oui. Je crois que je suis dans la merde. En musique peut-être, non? C'est par là. D'accord, merci monsieur. Nananana. Oh yeah.
Oh, j'adore cette musique. Hop! Oh, il y a un coffre aussi. J'adore cette musique. C'est bien. L'aventure avec mon DJ personnel. Déjà. Et maintenant le petit bonhomme en mousse. Non, je déconne. Le petit bonhomme en... Pardon. Eh, ça rend bien les guitares électriques. Allez, trop classe ton épée. Trop stylé, j'adore. Ouais, et puis elle est bien. Oh, il y en a une autre là-bas. Fais attention. Là, il peut pas faire un waouh. Final, ce serait trop fort. Non, attendez, je mets la lumière là parce que c'est dangereux. Allez, on y va. Je suis parti. J'arrive. Je me laisse même pas le temps de revenir. Oh, c'est sombre. Au secours. On n'y voit rien. Faire du lance-flamme pour voir devant nous. Tu sais, j'ai la lampe donc normalement. Oh, oh, alors fais gaffe. Ah. Faut pas se faire toucher par la ligne bleue, tu sais, c'est un dé. Ah. Tapez nul. Vas-y d'abord, vas-y d'abord. En fait, faut passer. Si t'es sur les plaques de lumière quand c'est allumé, tu passes à travers. Oh. Avec le double saut, tu dois pouvoir sauter directement sur le milieu et voilà. Okidoki. Alors là, faut pas sauter là-bas parce que. Pas quand c'est allumé, sinon ça active le piège. Oh. Oh mon dieu. Qu'as-tu découvert, petit Cheb? Un coffre. Oh. Avec un flingue électrique et des pixels. Oh yeah. Ah. Tu as une musique de Mario. J'adore. C'est trop drôle. Ah, j'ai réussi. Oui, c'est excellent hein, les musiques. C'est rigolo comme tout. Oh mon dieu, toi aussi tu as le sac à dos en cadeau? Ben non, t'as tout piqué! Ah pardon. Je croyais que tu t'étais servi avant moi. Tiens, regarde. Ben non, j'ai pas eu le temps, j'étais en train de regarder, mais. J'ai fait mon vidéo. C'est la hache qui m'intéressait, mais. Attendez, monsieur, je vous cède la hache. Regardez. Oui, c'est vrai qu'elle est énorme, elle fait 18,5 de. Ah, tu n'as même pas le sac à dos. 18,5. Ah, mais non, mon épée fait 23,3, donc non. Tu la veux la hache ou pas? Je veux bien, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Je te rappelle qu'il faut la charger avant d'attaquer. Ah, oui. Youhou. Ah. Merveilleux. Comment ça. Comme ça?
Living. Ah, d'accord. Oui, ok, oui, non, c'est l'avertissement de prendre le gain de fruit. Ah, il y a pas mal d'airs, hein. Je crois qu'ils en ont rajouté des airs de musique depuis après que j'y Voilà. jouais, il y a quelques années. Je me souvenais pas qu'il y en avait autant, des airs de Zikmu. Bon, bah voilà, je continue à faire la musique parce que comme tu déblayes, autant que ce soit dans la bonne ambiance. Pas juste ça C'est une pour aller chercher structure. le coffre. Hein? Ah, j'adore. Oh oui, du Ah! titanium. À tout à l'heure, Torota, oui. Bon courage pour aider ta maman. Ah, j'arrive pas. Malo. Oh, des molotovs. Reviens en arrière. Merci. Ah, du titanium, c'est gratuit. Merci monsieur. J'ai même pas retourné ma casquette pour avoir une petite pièce. Il me douche dans les richesses, c'est beau quand même. Voyez, jouer de la musique, ça rapporte. Dis-moi dans Star Wars. Oh mon Dieu. Minerai d'argent. Aïe. Oh, je dors. Oh, ce masque Chose horrible. squelette Oh mon Dieu. Ah, je suis déjà passé par là, le coffre est pillé en dessous. Le mieux qu'on est proche de la surface. J'ai bon espoir. Où est-ce que t'es reparti? Crois que je suis arrivé par là. Ah non. D'accord. Non, pas du tout. Non, c'est impossible. La cavité est close. Ah! Je sais d'où je suis arrivé. Le problème, c'est que toi, tu vas pas pouvoir passer. Ah bon? Bonjour, Bah, parce qu'en fait, j'ai creusé à la verticale là au-dessus. Ah ouais, d'accord, violence.
Ibi. Oula! Bon. Sacré bestiaux. Bon. Ah, ça l'a pris! Que je t'achève! C'était bien la musique. Attention, j'essaie de sauver mes propres fesses. Ah, d'abord, je vais pouvoir me téléporter. Ah, mais il y en a d'autres. Merdoum! Ah, j'arrive même pas. Tu peux te téléporter ou pas? Oui. Mon vaisseau capte le signal. Merci! Je me barre. Evacuate. Ah, mon petit cochonou qui me souhaite la bienvenue. Il est tout perdu au sol. Mm. Il est tout perdu au sol. Comment ça, t'es mort? Bah, t'as en sortant, j'ai voulu. En fait, le problème, le rocket jump, c'est bien parce que ça te permet d'aller très haut. Mais sauf que t'as aucun contrôle, contrairement à un double jump. Et je me suis raté, je suis retombé jusqu'en bas, je me suis écrasé. Oh merde, ah bah d'accord. Puis je vois pas comment je peux t'aider du coup, en rien. Non, tu peux pas. C'est ça qui est terrible. Mais je prends mon méca et je saute dans le trou. Mmh. Ah ouais, mais en fait on était... Ouais, bon, on était vraiment juste au-dessus de la sortie. Mmh. Aïe, 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 aïe. Ah oui, comment tu m'as offert du... Magnifique, merci. Alors, attends. Du clay, argile, que j'adore, merci. Alors attends, mes minerais bruts, que je les raffine. Parce que j'en ai pas mal. J'en ai pas mal sur moi. Alors, je retourne dans ma base, et du coup je vais bosser pour raffiner ces précieuses ressources. Je me rassois. C'est bon, j'ai tout récupéré, je suis reparti. Oh bah, j'ai eu un... Salut FunFan. Alors... Le FunFan qui est arrivé sur ton... Mm-hmm. Bim. Oui, mon modo en chef. Alors, attends. La bouffe... Périssable, c'est ça qui est périssable. Ah bah d'accord, le truc qui nourrit à peine. Mais vraiment à peine. Hein. Ouais, bon. On va dire au moins c'est pas perdu. Ah, le riz. Voilà. J'ai petite carotte symbolique à planter. C'est fait, c'est cool. Oh là là, j'en ai des choses à transformer. Allons à l'atelier. Qui est au sommet? Ah, il avait peut-être quelque chose à me dire. Bonjour, Capitaine Morbide. Toujours la même réplique. Bon, ça va, il se porte bien. Ah, il pleuvote, tant mieux. Non, c'est pas ça quoi que je fasse. C'était ça. Mm-hmm. Non, même pas. Je me suis planté à nouveau. C'était ça. Mm-hmm. La Kodak. Titanium, je peux m'en faire deux. Ah, des lingots d'argent, 9. Des lingots de fer, 4. Et des lingots d'or, 2. Et ben, c'est toujours 7 prix, c'est beau. Ah, oh la vache, l'argile. Wouh, je peux en faire 1000. Ah oui, je vois que tu m'as rejoint, petit Seb. Donc, on peut attendre pendant une heure. Je viens de t'en refiler 960. Magnifique, merci. Et tiens, parce que je sais que t'aimes mon lit en tas de paille, et du coup, je t'en ai chopé un dans les côtes. Merci. Bah, en plus, ça va bien avec mon thème, puisque je suis dans l'agriculture. Donc, la botte de foin, ça me va très bien. Plutôt pigeon. Waouh, je pourrais mourir de faim avant d'atteindre la fin des 1000 lingots de, enfin lingots, briques de d'argile. Vu que le temps que ça met ça fait peur. Ouais, tu vois, c'est dommage que j'ai personne sur mon stream parce que pourquoi là, il y aurait eu un clip à faire. J'ai fait un rocket jump, donc à la verticale, et arrivé en haut, j'ai tiré avec mon lance-grenade et pile sur l'oiseau. Oh, joli. Bah, faut regarder Arbif.
Bah tu vois, c'est là l'intérêt justement de mon horloge que je me suis programmé dans mon habillage de chaîne. Dès que je vois qu'il y a un truc bien, je le note rapidement. Tac, à 11h11, il y avait un truc bien Moi, et... je l'ai sur le stream. C'est au bout de 1h47 et 20 secondes. Voilà, par exemple, c'est bien, t'as ton repère à toi. C'est bien, c'est bien. Alors, un petit tour à la base. Ah ouais, la vache, autant que ça met de faire les briques. Mais bon, le rendement est magnifique. Hein. C'est juste pour payer en temps, le temps de générer le... Voilà. Voilà, j'en ai fait 1000. Donc j'ai une case complète, voilà, de briques comme j'adore. C'est merveilleux. Là, et ça. Alors, la suite. Alors, du blé, du maïs, du machin, du truc, du bitule, du coton, des bananes, du cacao, Est-ce que j'avais rangé plein de ça dans mes riz. vaisseaux, moi? Est-ce que j'avais rangé ça dans mon vaisseau? Dans mon vaisseau, je ne sais pas. Attendez voir que je prenne les... Ouais, d'accord. Ah, les fibres. Je vais essayer de renouveler intelligemment mes stocks. Ah, c'est pas la même chose. Merde, je confonds deux matières. Pas bien. Ah, mais là, il y a du charbon à prendre aussi. Ah oui, les bouquins, oui, que j'ai pas rangés, ils étaient là. Donc je vais immédiatement les mettre dans la caisse dédiée, qui est pas celle-ci, mais l'autre. Non, l'autre. Un an, je passe. Yeah. Oui, c'est rigolo qu'elle tombe deux fois depuis que t'es avec moi en coop. Alors que j'ai beaucoup d'autres répliques, et c'est le hasard. Hein. Normalement, il met aussi des citations Et quand il d'hommes me voit célèbres. passer, c'est pour ça. Oui, je sais pas. C'est possible. Non, mais sérieux. Je finirai par le croire. D'ailleurs, des citations, il faudrait que j'en rajoute. Bref, ça, je le ferai petit à petit. Réfléchissons. Réfléchissons Coucou. intelligemment. Bonjour, Tunsen. Ah oui, merci, je viens de seulement de voir la botte de paille que tu m'as offerte. Je vais aller l'installer d'office sur ma planète. Heureux, Torota. Plus de peur que de mal, elle va bien. Ah bah oui, merci de me rassurer. Oui, non, c'est bien, Torota. Ouf. Eh oui. Que ta maman soit pas en péril. Manque plus que ça. Oh, les boules. Ah, c'est Mimi. Ah bah oui, c'est bien pour se relaxer, la petite botte de paille. Trop bien. J'ai bien joué. J'ai combien de pixels moi? 6700. Purée, tout ce que j'ai perdu, j'étais à 10 000. Ah oui. Alors moi, par contre, je suis en train de me faire allumer. Enfin, allumer. Ah ouais, mais Tiens, je suis c'est mort fini. plusieurs fois, c'est ça le truc. Alors, si on craftait Oh! des morceaux de méca. Marshall de méca. Oh, c'est un peu C'est long. bien, il y a Nice. Twinsen qui joue au tableau mystère. N'hésitez pas à en faire de même. Vous y avez accès à sur mon Discord. Pour ceux qui sont sur mon Discord, vous avez la rubrique tableau mystère. Vous pouvez voir le tableau en cours en jeu. Essayez de deviner à partir des captures d'écran de quel jeu il s'agit. Et en récompense, dimanche prochain, je compterai les points et je vous attribuerai des points de chaîne. En dehors de ça, c'est un jeu sans enjeu, c'est juste pour le plaisir. Alors, est-ce que je fais un sniper? Pardon. Un fusil à pompe ou un Tommy gun? J'ai envie de continuer avec le sniper. C'est
Ça fait beaucoup de matière première et c'est ça qui est bon. Oh, ce méca des enfers! Attends, Torota me donne une info technique importante. Alors qu'il y a une pluie battante qui s'abat sur ma planète dans Starbound. Torota me dit, pour info, il y a une mise à jour de The Elder Scrolls Online qui dure jusqu'à 15h cet après-midi. Je te dis ça pour que tu puisses t'organiser pour ton début d'après-midi. Oui, merci. Oui, bah quand j'aurai fini de faire du Starbound vers les 13h avec Petit Seb, là on joue encore 2 petites heures je pense, je ferai ma pause déjeuner et pendant ma pause déjeuner, je ferai usage de ma fibre internet pour mettre à jour à fond tes os, ouais, avant de reprendre l'antenne. Merci pour l'info, Torota, tu fais bien. Tu fais bien, tu fais bien. Alors voilà pour être Alors, irrigué, mes champs sont irrigués. il va falloir que je teste ce nouveau méca. Le nouveau méca de la mort Bon, qui tue. c'est un vaisseau ami, mais c'est pas grave, on peut quand même se balader dans l'espace. Dans l'espace méga kappa. Titanium, j'ai passé. Non, oui, non, là c'est trop demandé. Ah, il manque 4 barres de titanium et je passe sur le truc au-dessus. Intéressant. J'ai pas de nouvelles foreuses, mais Est-ce que dans mon hangar. Ah ouh, ça fait Je... mal ça. Attends, ça, je peux pas le. Ah, il y a toujours titanium qui manque en fait. Est-ce que j'avais pas. Je crois que j'avais déjà commencé. Oui, ah non, c'était des vêtements que j'avais rangés, rien d'autre. J'ai rien dit. J'ai pas ce qu'il faut. Alors, agriculture, tuna, si j'arrive à me faire 3000, ce serait pas mal. Donc j'ai mon premier téléporteur que je m'installe dans la base pour de bon, ce serait très bien. Ouais. Que je puisse Parce... le prendre et pouvoir m'y téléporter quand je veux. C'est ça, et moi aussi depuis une autre, depuis tout l'univers en fait. Ça, je pourrais me barrer dans un autre système solaire alors que je suis loin d'avoir exploré mon propre système solaire, mais si je prends les devants, j'anticipe, c'est important. Ce son. Ah non, encore un piaf agressif. Vilain piaf, je t'ai flambé. Alors, le jus de tomate, je vends le jus de tomate, je vends la purée de je sais pas quoi. Lakedep. Toc. Dommage, je suis même pas à 2000. Qu'est-ce que je pourrais vendre? Ah, j'ai de la soie, je vais pouvoir faire des produits raffinés si je vais à ma roue de tissage. Attends voir, qu'est-ce que je peux faire à ma roue de tissage? Moi, je vais aller faire le test de méca là. Fais donc, fais donc. Ah, j'ai des plans de vêtements. Mais. Il y a le coton. Je vais me faire une douzaine de, voilà, de bobines de fil. Oh, il y a une averse sur ma planète. Ah, mon Dieu. Voilà, je garde un peu de fibre végétale parce que ça peut servir aussi à faire les bandages. On sait jamais. Ibi. Ouh là 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 là. Pour être irrigué, ça va être irrigué. Là, il y a un orage carrément. Oh la rincée, toi. Faudra vraiment que je termine assez rapidement baraque, que je sois plein total confort. Parce que de voir la flotte tomber chez moi, c'est un peu misérable. J'ai des problèmes d'isolation, je Là. crois. C'est plus l'isolation le problème, Ah, ça c'est va mieux. l'infiltration.
Oui, ça va mieux, qui que quoi? Mais oui, parce que le jeu est programmé en anglais, forcément. Yes, it Alors, is, of le course. passage en français prend bien en compte le clavier AZERTY, il n'y a pas de problème. Sauf que la touche Z, qui est pour monter et qui est utilisée du coup dans le méca, etc., Oui. c'est aussi la touche pour cacher ses armes. Donc, des fois, quand je suis en combat, j'appuie sur en haut pour faire mon dash en travers et ça m'enlève mes armes parce que ça les cache. Ah! Ça posait problème. Tu te rends en fait, sans le vouloir. Je me rends. Bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Bonjour Lynn. Ah là là, c'est terrible quand même. Alors, miam. Ah bah tiens, je vais manger la viande que j'ai dans le frigo. Miam, miam, miam. Je vais sûrement vendre ça aussi. Je vais vendre les poulets. Les poulets rôtis. Ça va rapporter de la thunasse. J'ai bon espoir. Ah oui, j'en ai pas mal. Ah, celui-là, il est pas cuit. Tiens, c'est rigolo. Oh, Torota, merci pour le follow. Pa pa pa. Et bienvenue à toi sur ma chaîne. Vivi, vous faites bien. Alors, tac, tac, tac. La vente des poulets. Quoi? 8 pixels seulement le prix d'un poulet rôti à la vente? Il y a autant de volailles que ça qui pullulent dans l'univers? Non, mais quand tu vends les objets, c'est. Essaye de la vendre avec ton. Oui, bah je l'ai vendu avec Avec. Avec. mon. Hein? Avec. Ah, le truc de shipment, c'est ça le Bah si peu que oui. ça? Eh oui. C'est une rentabilité misérable. Je suis triste. Sniff. Je ne ferai pas de l'élevage de volailles. Non, c'est pas rentable. Do you believe? Don't Réfléchissons. Nano Comment réceptacle? je Ok, peux. c'est nouveau ça. Oh, je pourrais faire de la confiture de je sais pas quoi. Comment ça, je peux faire de la glace? Ah oui! J'ai de la. Ah, c'est rigolo, tiens. Ah, c'est cool. J'ai réussi à faire un cornet de glace. Parce que j'avais de la neige sur moi et du sucre. Mon dieu. Ah! Eh, tiens, d'ailleurs, en parlant de glace, les restaurateurs, les hôteliers ont pris cher avec la pandémie, comme vous le savez. Et ils essayent de se réinventer. Et d'un point de vue gastronomique, ils arrivent maintenant à faire des glaces non plus à base de sucre, mais de gras, de graisse. Et en ce moment, c'est pas con, ils ont conçu des glaces apéro, des glaces salées. Donc vous avez, je sais plus, glace salami, glace merguez, des trucs dans le genre-là. Et bah il paraît que c'est pas dégueu. Je trouve ça pas idiot. Ah ouais, le problème glace au gras pour la santé, je suis pas convaincu, tu vois. Faut pas Alors, trop en c'est pas idiot sur le consommer. principe pour réutiliser leur graisse et. Pour la santé, par contre. Oui, Pas mais le gras, c'est la convaincu. vie, oui. Mais non, c'est pas con. J'ai lu un article récemment là-dessus et je trouvais que l'idée était bonne. Mais oui, il faut pas en abuser, comme toute bonne chose. Mais non, sympa. Oh, j'ai un Pokémon qui vient m'enquiquiner alors que je fais mon agriculture. Ah, je repique les carottes. Les carottes. Non, chez là, les carottes. Et je repique le sucre. Le sucre que tu m'avais généreusement offert, petit Seb. Et le blé, j'ai 9 pieds de blé. J'ai bon chat. J'ai bon pour le moelle. J'ai bon. Tintin. Je vois que Torota va jouer à Counter-Strike Global Offensive. On a vu l'alerte sur mon direct. Il a bien raison.
Alors, ouais, bon jeu à chacun. Oh, bon, t'as bien raison. Chacun se fait plaisir comme il le peut. Ah, oh, je fais 7 brioches ou à la carotte. Ça va me rapporter de la thunasse. Je fais des bonbons. Je fais des bonbons, bonbons, bonbons. C'est n'importe quoi ce jeu, c'est rigolo. Allez, Zou, vendez-moi tout ça. Je me mets en boule, ou pas. Oui, aïe, mince. Oh, le gadin débile. Je me suis fait bobo vraiment bêtement là, je suis pas fier. Popicorn. Le popicorn va me sauver. Surtout me soigner. Alors, listique caca, la carotte. Eh, ça rapporte, hein, ça vaut presque 40 l'unité. Voilà, il faut que je passe dans le caca à la carotte, moi. On va d'ici. Oh, 2519, je suis proche des 3000 pour mon téléporteur. Torota nous dit, je m'entraîne pour retrouver mon niveau. Et en plus, ça me servira à refaire pour une association défendue par un de nous. C'est-à-dire qu'un mort égale 2 euros de dons. Ah oui, par rapport à ce que... Oui, d'ailleurs, j'espère que ça s'est bien passé. Il y a l'ami Bastos qui faisait effectivement un direct caritatif tout le week-end, du vendredi au dimanche. Je suis juste allé le voir au début le vendredi. Et c'est bien, dès le début, il était déjà à 200 euros de dons. C'est très bien. La sauce, en fait, qui représentait, c'était pour la défense féline, les chats. Si bing, faudra qu'il nous en reparle à l'occasion, mais c'est cool. Visiblement, il a récolté pas mal de sous-sous pour la sauce qu'il représentait. C'est beau. Bravo, GG à tout le monde et à Bastos pour avoir cédé son antenne à cette belle cause. Bravo à lui. Mon Dieu, alors que le kiwi est en train de pousser sous mes yeux, j'en suis troublé. J'en suis troublé. J'ai Et réussi. ça aussi, je peux le Ouais. fabriquer. Récolte de coton et de fibres végétales en cadeau. Do you believe? Hop. Don't go away. Alors, cuisine. Non, je veux faire de pommes de terre sautées pour faire un beau truc. C'est où je le fais? C'est là, voilà. Pour faire les voilà, je reviens sur l'autre établi et là. Merde, non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Je me ferai avoir à chaque fois. C'est la gazinière, voilà. Les gaufrettes de pommes de terre qui rapportent de la thunasse. On va pas se voiler la face, ça rapporte de la thunasse. Alors, ça c'est fait. Donc, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux encore faire des brioches. Voilà. Gâteau, ça m'étonnerait. Hein, quand j'aurais dit poule nature, pas des poules cyberpoules. Je pourrais avoir des œufs. Waouh. Comment ça? Waouh! Bah en ayant terminé la quête, le corps du robot, il nous en donne le plan d'un nouveau. Et tu passes de... Le corps du robot, c'est ce qui te donne le maximum d'énergie et la défense. Tu passes de 1 sur 5 à 3 sur 5 pour les deux. Oh là là. Mais il faut encore du durast. Ibi. Bah alors, oh, mais elle a fini de me guaquer la souris, là, en me disant oui, non, avec l'objet, là, en dépôt. Oh, c'est dégueulasse ce qui m'arrive. J'ai 2999.
Non, ça va, je vais vendre un popicorn et puis je vais pouvoir m'acheter mon téléporteur. Voilà, allez, plante. 990. La bonne blague, alors que je veux 3000. Ouais, non, mais c'est terrible, hein. Là, il y aura capture d'écran à l'appui. Tout le monde l'a vu. Alors, mon noyau. Mais qu'est-ce qu'il y a, le cousin de Captain Ah, il est heureux de me voir. Oui, moi aussi, enchanté. Mais pardon, je vais retourner dans mon vaisseau pour m'acheter un téléporteur. Ne vous inquiétez pas, je vais l'installer sous peu. Laissez-moi retourner à mon vaisseau, les gars. Faut que j'aille chercher le noyau de téléportation. Alors, je l'avais rangé là. Voilà. Je vais aller voir la vendeuse de téléporteurs à la station intergalactique. Comme ceci. Pourquoi il y a... Pourquoi il y a un ananas ici? Ah. Ça me perturbe. Le sage, il a replanté comme ça, Vinay. Non, je vais le mettre. En... Ah, d'accord. Il a planté l'ananas là-bas et il a planté le blé ici. Ah, c'est pour ça. Mon téléporteur. Trop bien, il a un téléporteur. Alors, il faudra que je fasse certain de l'emplacement parce que je pourrais plus le déplacer après. Sinon, ça me coûtera 3000. Il y a un nouveau cœur de téléporteur. Bah, je vais peut-être le mettre là, le téléporteur. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bonjour Ronnie. Comment que ça va? Ça faisait longtemps. Bah, ça va bien, merci, et toi? Qu'est-ce que je mets à la place? Oh, je vais mettre ça. Voilà. Ça y est. La prochaine fois que tu me rendras visite sur ma planète, petit Seb, tu pourras mémoriser le téléporteur fraîchement installé dans ma demeure. Du coup, bah, t'y es, là. Je vire le drapeau que je vais mettre ailleurs sur ma planète. Je vais aller à l'autre bout de la planète en attendant. Comme ça, ça permettra de faire. Oh, désolé, Sajazi, pas très présent sur tes directs. Non, mais y a aucun souci, ne t'excuse pas. Tu passes quand tu peux, Ronnie. Tu seras toujours bienvenu. Quand tu veux. Et si tu veux pas, tu passes quand même. Voilà. Alors, un challenge. J'ai un dangereux. Ah, et un mec à. Un chevalier noir à défier. Bon, écoute, j'ai rien à perdre, donc oui, je vais le défier, le mec. Hello le chaligo, que je l'allume au lance-flamme. Hey, ça manque de lumière ici, excusez-moi. Mais je vais rajouter une torche. Voilà. Ouais, non, là c'est bien. Il y a des commodités, comme on dit. Sommaire, mais il y a. Ah oui, là aussi, on accède complètement scarpé. Oh là 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 là, je vais avoir du boulot d'excavation, un truc de fou. Merde, j'ai des... Oh là là, c'est marrant comme ils volent en bande les oiseaux sur ma planète. J'en ai trois qui sont approchés de moi en piqué là, quasiment. Alors, il est où le joyeux drille? Ah, encore un piaf qui veut s'en prendre à moi. Je l'ai rôti. Oh. Ah oui, c'est un champignon. Oui. Ah, c'était lui le marchand, c'est vrai. Ah bah d'accord, vu ce qu'il propose, ça m'intéresse pas du tout. Laisse tomber. Ah, je vois que t'es en manque d'action, petit Seb. C'est pour ça que tu m'as rejoint. Tout à fait, tout à fait. Attends, je vais pas tarder à planter le drapeau de surface de la planète. Du coup, c'est mieux, on sera aux opposés. Voilà. Ah bah tiens, c'est pas mal, là, la ruine, comme socle. Voilà. Comme ça, il y a mon téléporteur et il y a le drapeau de surface. Alors, base, je précise, surface opposée. Voilà.
Bon, je mets pas les accents parce que ça les gère mal dans le jeu. Mais j'essaie de rédiger en bon français. C'est qui en vocal? Bonjour à lui. C'est mon partenaire de jeu, Ronnie. C'est Petit Seb. Bonjour, bonjour. Qui a eu la gentillesse de me proposer de jouer en partenariat pour du Starbound. Et c'est un pur bonheur. On s'amuse comme des petits fous. Ah, bien. Oh là, t'es d'une efficacité redoutable. Oula, 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 il est terrible le Pokémon là. Ah bah tiens, ça m'a fait un joli steak. Fun fan qui t'a vanné en disant que ton père s'appelle Grand Seb. Fallait la faire, c'est malin. Là. Aïe aïe aïe. Bah alors, il est où le stick que je suis censé localiser? Je vais finir par croire qu'il s'est planqué dans une grotte. Bah l'orientation de la quête te dit quoi? Bah pas grand chose à vrai dire. Oui non attends. Ah et tu la suis peut-être pas. Si si attends. Quoi? Earth of the Outlaw. Ah il est dans la mine, donc faut aller en sous-sol si j'ai bien compris, si je traduis bien. Oui mais normalement t'as pas une boussole qui t'indique où il est? Non. Après. Ah c'est quand tu te rapproches peut-être. Une cité de lave. Tac 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 tac. À l'ouest. Ouais, de toute façon, j'ai piscine. Toute la surface de la planète alors. Pas de charbon là. Oh, les lapins qui font du surplace. Oula 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 oula. 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 Faudrait que je prenne un arc avec moi. Mm-hmm. Hein? Pourquoi je te vois à ma droite alors que je t'ai pas croisé? Bah parce que je dois être à l'autre déjà à l'autre moitié de la planète au niveau de la surface. C'est pour ça que la boussole s'est mise à paniquer à 180 degrés. Je suis désormais plus à ta droite qu'à ta gauche si tu voilà. C'est possible. Ah oui parce que t'es revenu au début pour repartir c'est ça? Non, j'ai continué ma progression mais je progresse vite là, je suis en train de courir comme un dératé. Mais j'ai bientôt fini de faire mon tour de planète donc ceci explique cela. Oui mais j'étais avec toi, j'ai continué dans le même sens, je t'ai pas vu passer. Oui bah c'est pas grave, on s'est loupé. Ce sont des choses qui arrivent. Ah. Le téléporteur. Ah, j'ai trouvé le vilain. Ça y est, il m'aide, le salopard. Oh la vache, oui, chevalier noir, il est costaud. Ouais, fais gaffe, les. Moi j'en ai eu un, j'ai été obligé de le faire au méca, hein, parce que sinon je me faisais défoncer. Hop, 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 hop. Merde, il a réussi à me sniper, le salopard. Ah, ouais, je vais aller, mon lance-flamme. Oh, GG. Oh, une note secrète, je la lis, je la copie et je te la cède. Attends, bouge pas. Ouais, mais normalement ça fait rien. Bah oui, c'est scandaleux. Que si en fait, faut regarder ce qu'il y a dessus. T'as appris des choses. C'est écrit quoi? Transfer of the loot to take place at depths of the old mine shaft. To the east. Ça veut dire qu'ils ont déplacé le loot dans les profondeurs en dessous de la grotte à l'est. Okidoki, merci pour l'info. Bon bah je vais dire à partir de là, alors tu me diras mon champ est juste derrière vu que c'est la fameuse montagne que j'essaye de déblayer. Ah c'est la montagne là que t'essayes de creuser? Je pense. Attends, je demande confirmation. Ah, il y a quand même du relief sur ma planète. Non je me suis planté, c'est pas celle-là. Ou alors elle est encore plus grande que je ne pensais, c'est effrayant. Ah si merde, je crois que c'est celle-là. J'ai revu du. Attends, j'ai des ennemis qui me.
Ah si, c'est celle-là, merde. Oh, la montagne, elle est énorme. Et non seulement elle est haute, mais elle est grande. Elle est longue. Oh putain, pardon, je deviens vulgaire. Oui, parce Non, qu'il mais y a je vais en des baver. torches là partout. Je vais en baver Et grave tu le là. tu veux la mettre à plat ou Bah, en fait, je veux quasiment égaliser toute la surface de ma planète pour en faire que des champs à terme. Mais c'est pas grave, je le ferai épisode après épisode. Ça fera durer le plaisir. Oh là là, là j'ai une récolte magnifique. Ah oui, oh là, j'ai plus de place dans l'inventaire, à mon avis. Si, encore, c'est un miracle. C'est un miracle. Oh là là, je vais aller en cuisine et vendre tout ça. Oui, bonjour aux arrivants. Alors. Oui, du coup, t'as enregistré mon nouveau téléporteur ou pas? Je sais plus. Oui. Bravo, t'es un chef. Non, 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 je vais pas faire ça. Le chocolat. Ben. J'ai vraiment un double clic malheureux, moi. C'est terrible. Non, c'est l'autre. Oh! Ah oui, c'est vrai, j'avais ratatiné un ennemi et j'en ai fait un steak, c'est vrai. Je me laisse surprendre, mais. Oh là, 17, c'est trop! Non, je vais encore ranger le riz. Pam, pam, pam. Mais il n'y a rien d'arrosé sur cette planète. Chic planète, j'en change dessus. Ouais, c'est quoi ce fermier du dimanche là? Mais j'attends que la pluie. Oh, t'es trop gentil, j'attends que la pluie arrive. Tu sais, il y a eu des bonnes averses il n'y a pas longtemps alors. Moi, en attendant, je vais me mettre en boule. Ça, c'est ok. Jus de tomate, ça va me rapporter de l'énergie, non? Ah oui. J'ai un bonus de vie. J'ai un bonus de vie. C'est bon. Bonus de santé. Buvez du jus de tomate. Oui, je mangerai encore plus vite. Ah, bonjour à J-Club. Ouais, t'as vu ça, matinale. Ouais, mais Au par courrier, cette nature. heure-ci. Par nature, je suis. 7h13 même exactement. Wisebot, il a lancé, il a dit. Je suis Début du un stream. couche-tôt, lève-tôt. Je m'étais réveillé naturellement ce matin à 6h du mat. Alors, voilà, j'avais fait ma nuit, j'avais pas besoin de dormir plus. Voilà pourquoi j'ai démarré si tôt dans le direct. Brr, à quoi tu joues? On dirait que tu me bastonnes. C'est fini, oui, ça fait Si, mal, tu vas bien, je t'as fait cours. rétrécir là. Je veux pas me tasser plus que ça, sinon je me mets en boule, monsieur. C'est fini, oui. Oh, l'autre, eh. Oh, il se la pète parce qu'il a la rente technologique supérieure à moi. C'est scandaleux. Ah tiens, d'ailleurs, au niveau technologique, j'en ai combien? J'en ai 21, je dois bien pouvoir prendre un autre truc à l'outpost. Ah, bah, essaye voir, oui, de passer un. Encore Ton monsieur, il a au-dessus. un cadeau pour toi. C'est marqué sur ton truc C'est le de PNJ là. cousin, oui, de Captain Morbide. Et merci pour le relais de chaîne. Bienvenue, Arsenus. Merci, Mais j'ai besoin regarde, de salut tout à Morbide, l'heure. il a un cadeau pour toi, c'est marqué là. Oui. Message de Forfun 1992. Bonjour et bienvenue à la communauté de Ad Arsenus DV. Oh mon dieu, la voix au hasard, là, ça devient fou. Oui, effectivement, c'est indiqué là, tu as raison. Salut yo-yo! Moi, t'avais pas vu. Moi, je te dis bon. Il m'a donné deux fois plus, il m'a donné 200 pixels, ce fou. Oh, Salut c'est trop gentil. Arsenius. Captain Morbid. Le truc de tech. Quoi? Il est là. Rustic Sterl, quoi? Ah, il m'a donné un flingue qui est minable. Mon dieu, ce flingue. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, Dash soyez les aérien, bienvenus. dash Bienvenue. sprint, blink Bienvenue. dash, air dash. Hello tout le monde, hier Arsenas. Merci pour la chaîne, c'est adorable. Oh mon dieu, il y a un excité. Non, une excitée, c'est une dame, je crois. Salut, je suis Kiren. Je suis très intéressé. J'ai pas le temps de lire la suite. Bref. Merci, merci. Est-ce que vous pouvez faire ta main? Je suis avec Petit Seb.
dans l'histoire intergalactique poétique et Starbound. Ah, la tech machin. Ah oui, oula, inspectionnique aquasphère. Oui, le dash et le gigasso. Ah, le wall jump aussi. Ah, mais il est là. Ah, ça. Merci. J'ai appris à courir. Oh, c'est beau. Ah oui, en effet. Wouh, t'es le fou, fesse, là. C'est la folie. Ça à la place du dash. Tu veux des puces? J'en ai un. Ah, mais il m'en reste 5. Il m'en reste que 5. On peut en avoir plus que ça. Ah, Jamiroquai, je l'ai recroisé. Ah, non, je sais pourquoi il m'en reste que 5. C'est parce que j'ai appris l'aquasphère. Oh, déco spatiale. Ils sont dans la mode du système solaire humain. Il y a, tu peux acheter Uranus, le Soleil, Saturne. Jupiter, Mars, Mercure, Neptune, ouais. Alors, le ridicule, c'est Pluton. On dirait une merdouille qui pendouille au câble, c'est ridicule. En vrai, dans une des pièces du vaisseau, faut qu'on se fasse un planétarium, là. Ouais, à l'occasion, on pourrait faire ça. Non, j'aime bien le modèle Saturne. Je vais me l'acheter, il est trop beau. Donc je te laisse. Moi je prends rien pour l'instant. Le mec il est économe à mort. Je vais mettre ça au dessus de ma... Merde, je voulais vendre le flingue, du coup j'ai oublié, c'est pas grave. Attendez. Oh, une planète aquatique. La déco de mon vaisseau. Au dessus du bar, ce sera trop bien de mettre le truc Saturne. Oh, regarde-moi ça comme c'est stylé. Oh, voilà. Je suis en train d'embellir ma pièce de vie peinard dans le vaisseau. Franchement, c'est moi j'adore. Je peux aller sur les planètes radioactives. On fait l'amélioration de l'EPP. Bah oui. Effectivement, grâce à toi, on peut faire ça. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être aller un peu en exploration. Ça me fera les pattes. Je vais peut-être juste ranger mes ressources précieuses. Et puis, effectivement... je suis déjà sur une planète dont j'ai pas fini l'exploration. Je suis en orbite de la planète de sable dans mon système solaire. J'en ai pas fait le tour de mémoire. Attendez voir. Réfléchissons, que je fasse pas de bêtises. Alors, À ce point. J'ai un vaisseau amical et j'ai un. Inamical. Une station spatiale. Ah, oh, ça occupe. Vache. Ah merde, j'ai déjà surchargé mon vaisseau, il faut que j'aille dans ma base, dans mon entrepôt, tant que j'ai de trucs partout. Incroyable mais vrai. Ouais, câlin. Et je suis parti. Avec mon nouveau mecha. Oh, il a de la gueule ce nouveau mecha. Mais mes invités sont corrects, ils ferment les portes. Franchement, là-dessus j'apprécie. Il n'y a pas de courant d'air avec eux, c'est bien. Mais... Ah, moi je trouve ça chiant, ils referment les portes alors que moi je les laisse ouvertes exprès pour être tranquille dans mon vaisseau. Bon. Bah, tu sais, quand on aura la technologie pour faire des circuits là, tu pourras faire un. Oui, après on fera des ouvertures automatiques, on sera tranquille. Ça. Détection de présence et puis tout s'allume et s'ouvre, c'est trop la classe. Mais moi j'ai débloqué le wire sur le. Ouais, ton manipulateur de matière, mais non, t'as bien fait. Alors attends, moi faut pas que je fasse l'idiot parce que si je perds mes marchandises là, par contre je pleure. Attendez, je vais ranger mes ressources précieuses ici. Je sais pas ce que je veux. Voilà, très bien. Je vais pouvoir me barrer. Aller en surface de la planète de sable de mon système solaire. Vite, voilà. Dans le vaisseau et ensuite en surface. Bon, ça se passe merveilleusement bien, c'est neuf ce jeu. On a encore pataté deux boss ce matin avec Petit Seb. On a fait une soucoupe volante de pingouin et un mecha de pingouin. Et petit à petit, on monte en gamme, en évolution technologique, surtout Petit Seb. Moi, je suis plutôt au ralenti à rester dans l'agriculture. Mais non, ça avance bien. Là, un peu d'exploration, ça va être cool. Message de Foufon, 1992. Twitter est mort vive, is...
Le message était très bizarre en synthèse vocale. Oui, tu voulais dire tuteur est mort, vive X. Oui, non, c'est très étrange. Oui, effectivement, tuteur va s'appeler X et on va passer de du piaf bleu à, je crois, un Shiba, le chien japonais pour le logo, ouais. Oui, bon, bref. Ah ouais, Oui, carrément. pareil. Ouais. Bon, délire d'Elon Musk. Si ça l'amuse. Alors. Bonjour, bonjour, station spatiale. Comment allez-vous? Moi, je suis là pour piller les caisses. Moi, j'ai des choses à numériser. Oh, cactus! Oh, bédouin. Bonjour, monsieur. C'est un homme oiseau. Bienvenue dans le désert. Mec, t'es en train de Habitez-vous chez dormir, faut vous. éteindre la lumière. Oh, il a un évier, il a des chiottes. C'est incroyable. Merci, monsieur. Oula, 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 j'en monte sur son balcon là, parce qu'il y a du monde. Pas au balcon, malheureusement, mais. C'est toi que je t'aime. Merde. Oh, dommage, la flèche, elle était pas mal. Non! Sérieux, je touche pas? Ah, merci. Ah là, c'était abusé. Après un tel tir. Oui, les messages vocaux sont réservés à ma modération, pardon. Sinon, ce serait le gros bazar. Et normalement, la commande, il faut la mettre en préfixe et en premier dans la nouvelle ligne, dans le chat, parce que sinon c'est. Encore que je suis plus sûr de ce que je dis, parce que ça s'est peut-être amélioré, mais comme enfin, bref. C'est vraiment réservé à la modération, sinon c'est le boxon. Merci de votre compréhension. Bah oui. Mais je sais que c'est tentant, mais. Oh là 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 là, c'est quoi cette bestiole? Attends. Oh, magnifique, j'ai gagné un steak. Ça, c'est bon, ça. Mais c'est pour rien, il y a un piaf qui me tombe dessus maintenant. Oh là là. Elle est très hostile la nuit, la planète désertique, dans le système solaire. Il y a un grabuge monumental. Patate. Plein de blé, tout ça. Je suis désolé, hein, la station spatiale, j'ai pillé votre stock. Hein. Oh, scanner la machine à café. Oh merde! J'ai voulu faire meumeuse avec le lance-flamme pour éclairer devant moi et du coup j'ai flambé des roseaux. T'as flambé des gens? Bah surtout des végétaux. Mais bon en même temps c'est de la matière première donc. Mais comme j'ai des ennemis devant moi, oui, je suis obligé de faire usage du lance-flamme, sinon c'est eux qui vont me patater. Donc du coup là je récupère plein de roseaux bien malgré moi. Ah oui c'est vrai qu'il y avait une prison ici, c'est vrai. Une prison, non, c'est faux. Un labo abandonné. Donc j'étais allé au-delà de ce labo. Ah, du coup, Message de Funfan 1992. Le démonter en entier. Allez, sauf si c'est important. Vive le sage de Nancy et sa communauté. Attendez voir. Oula, c'est profond par ici. Je commence à mettre le pied dans la flotte, mais je vois qu'il y a de la profondeur. Tac 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 Attends, tac est-ce que j'ai tac une tac numérise tac ici? tac tac Non non non, il y a déjà à numériser, il y a l'éclairage à numériser. C'est troublant comme endroit. On entend légèrement le vent sur la planète. C'est excellent. Ouais mais la voix elle est. Le pire c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. Je l'ai eu au hasard. Mais c'est amusant. Y a quoi dans le coffre? Oh, il y a plein de choses merveilleuses dans le coffre. Ah, attends, je vais passer par au-dessus. Ah, comment que j'ai cramé le nid? J'ai récupéré un œuf, c'est horrible. Ah, j'ai utilisé le lance-flamme sur le nid qui était sur le toit de la baraque. Et du coup, j'ai obtenu un œuf cuit dur. N'importe quoi.
Ah, directement. Directement. Ah ouais, non, vous pourrez voir mon ralenti, là. Ça va peut-être me clipper, d'ailleurs, tant que c'est horrible. Mais bon, c'est logique et efficace en même temps, mais... Oh, qu'est-ce que c'est que cette demeure? Tiens, tiens, j'ai une casse-bas. Elle me dit quelque chose. Oui, j'ai déjà la pillée puisque les caisses sont vides. Est-ce que j'ai tout numérisé? Oui, non. Oui, j'ai tout numérisé. Bon, c'est bien, j'ai bien bossé. Je pense que finalement, j'ai fait la surface de ma planète. Ah, un coffre. Là aussi, que j'ai vidé. Végétaux que j'ai pas numérisé en surface. Mmh. Ouh, ça c'est moche par contre. J'ai des pics, c'est un piège en contrebas. Je pète les pics, voilà, histoire que ça se termine pas mal. Ah, alors qu'il fait désormais jour sur la planète. Comment ça va, ça va, ça va sur ta planète? C'est ça. Ça va, ça va, ça va, comme si, comme ça. Mm. Ah, ah, j'ai un robot qui voulait m'agresser qui a fini en surchauffe. Hmm? C'est moi ou j'ai vu un objet d'interaction? Oui, oui, oui. Il y a en fait, c'est une tombe, mais ça dissimule un truc. Attendez, je vais creuser par en dessous. Sans casser la structure qui est magnifique en surface, là, qui est une mini-pyramide égyptienne. Qu'est-ce que c'est que ce tombeau? Eh oui, je me dis bien que j'ai vu un truc. Mmh. Allez, pan, je pète le coffre. Ah, j'ai gagné des pixels, du sable. Ah, une tenue. Ah, mais c'est la suite de la tenue de Bédouin. Ah bah c'est très bien ça. De l'intérêt de se promener sur une planète désertique. Il va trouver ouais. Le sage Bédouin. C'est ça, pour s'acclimater. Ah, mais oui! Mais c'était sur ma planète désertique qu'il y avait la fameuse demeure japonaise. J'y retourne, ah, bah, du cool. Coup. Ah, il y a des choses que j'ai dû oublier de numériser. Bon appétit, Arsenius. Bon appétit pour ceux qui passent à table. C'est vrai qu'on va atteindre les midis, là. Boing. Est-ce que j'ai tout numérisé? Il y a tellement d'objets précieux dans le coin... que j'ai des doutes. Par contre, on a fait le ménage. Punaise, là, j'ai plus un fantôme. Mmh. Mmh, mmh. Ah, attends, faut passer à l'étage inférieur pour pouvoir sortir de la demeure. Bonne app, Arsenas. Ouais, ouais, bonne app. Bonne app, bonne app. Je sors de la demeure normalement, à partir d'ici. Bon, on continue. Il fait jour sur la planète, c'est cool. Oh. Ah, c'est encore une tombe. De l'autre côté, il y a quoi? Bizarre. Bizarre autant qu'étrange. Alors, hop, je crois que je suis au bon niveau pour piller la tombe, c'est horrible. Mais oui, je suis un pilleur de tombe. Comme Lara Croft, Tomb Raider. Voilà, hop, j'ai récupéré... Oh, oh! J'ai récupéré une puce santé plus. Ah, EPP. De la santé. Ah ouais, lentement me restaure de la santé. Ah, c'est intéressant ça. Mais je vais le conserver, je vais pas en faire usage maintenant. Ouais. USB, le sage. Mange-la sur ton port USB. Ouais, je voulais dire merci. Ah oui. Ah oui, oui, c'était les bonnes lettres, mais pas dans le bon ordre. Effectivement, Arsenas, t'as bien fait de préciser. Oula. Ah, j'ai encore trouvé une planète vide. Et moi, j'ai un relief de mort, là, c'est même pas la peine, je suis obligé de creuser si je veux passer. Je vais la garder, elle aussi. Waouh. Ça, c'est pour les animaux. C'est encore pire que par chez moi. Qu'est-ce que c'est que ce relief de ma boule? Oh! Oh yo 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 yo, je suis en train de louper des trucs en surface, c'est obligé avec une telle montagne. Waouh! Alors au niveau relief, elle est inhospitalière, hein. Rien qu'au niveau du relief.
Mais tu dévises de la falaise. Alors j'aurais fait dans l'autre sens, je me serais tué. C'est y a pas photo, je me serais tué d'une chute de je sais pas combien de cases. C'est pour ça, faudrait que tu prennes la boule à pique, ça serait pas ça, tu serais tranquille. Ouais, ou le mecha plus souvent. Ouais. Oh merde. Bah, quand si t'es au-dessus de la planète, oui, moi je commence toujours avec le mecha, hein, parce qu'il va très très vite et. Et là j'ai deux robots qui me font face en surface. Ah, je vais avoir faim. Oh, j'ai récupéré une pile sur le robot. Alors, je commence à avoir faim. Manger. Merde, j'ai pas cuit le... Tant pis. Oh, ça me permet de sauter plus haut, les bonbons. Je viens de découvrir un truc. Non, l'œuf, je vais le garder. Je vais pas le bouffer comme ça. Je vais en faire une recette, c'est obligé. Je vais déverrouiller un plat, au moins. Le popicorn. Le popicorn, c'est la vie pour moi. Alors attends. Cette montagne de Maboule. Bon, voilà. J'ai deux planètes complètement vides, sans culture, sans mob, sans rien à disposition. Ouais, c'est intéressant. C'est peut-être le cas aussi dans le système solaire, mais je suis loin de l'avoir fini d'explorer. Qu'est-ce que c'est que cette planète? Non, c'est pas les premiers, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est du poison? Non, c'est pas du poison, c'est un sable mêlé à je sais pas quoi. Et j'ai du sable verdâtre sur cette planète, mais en altitude seulement. C'est intéressant. Y'a du Durastil sur cette planète. Étrange matière, mais... Ouais, j'en récolte un peu. J'échantillonnerai ça plus tard. Non, c'est pas... J'ai failli dévisser. Bordeloum. Salut à toi, JJB. Bonjour, JJB. Attends, je vais mettre une petite... Oh! Ah non, c'est de la roche naturelle. Pendant un instant, j'ai cru que c'était un truc artificiel et qu'il y avait une civilisation souterraine. Ça m'a... T'as déjà croisé des mobs, ici? Là, dans les médias, non, mais oui, il y en a. Il y a des robots, en général, ici. Ah, il y a plein de blocs que t'as creusé au-dessus. J'ai pas encore fait le tour de la planète, hein. Ça je connais pas la surface verte. C'est nouveau pour moi ça. Oh là là, encore une montagne. Allez, escalade, vas-y. Attention. Oh, il est fou. Il est fou le petit chef. Ah merde, j'ai pas la bonne boule. Il dévale comme un fou furieux. Oh mon dieu, ce tir. Oh, moi j'ai gardé mon sacro-saint lance-flamme qui est toujours aussi. C'est sûr, parce que ça ressemble à une planète barène. Ah, bah si tu le dis. Oh, c'est adorable, monsieur Jambon qui fait un relais de chaîne. Oh, merci, j'espère que tu vas bien. Merci à monsieur Jambon. Surtout que ça fait longtemps que je ne suis pas allé le voir. Malheureusement, j'ai beaucoup de mal à suivre tout le monde. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est tes armes. J'ai cru un moment. C'est mes grenades. Ouais. Mais oui, il y a aucun mob, il n'y a pas de temps. C'est une planète barène, c'est une planète vide. T'as pas de culture, t'as rien. Et t'as pas de mob non plus, mais t'as pas de pluie, t'as rien du tout. T'as aucun événement. Bonjour et bienvenue à la communauté de météorologique. Les mobs, si je suis affirmatif en surface, parfois t'as des robots, mais là je les ai éliminés. Ça va être bonjour, dame Lilith. Oui, c'est madame aussi. Bonjour, bonjour tout le monde. Bah, si vous allez bien, c'est cool. Merci et bienvenue. Bah, vous voyez, je suis en compagnie de petit Seb. On est dans une coop à faire du Starbound. Et on vient c'est de découvrir. Un relais que... de chaîne. Merci. Ah, là, tu veux que je te montre un petit secret technologique. Vous plairont, en tout cas. Voilà. Soyez les bienvenus. Bienvenue. T'as déjà pillé, non? Peut-être. Oh mon dieu, c'est un village. C'est un village de bonobo. J'ai tout numérisé, je sais que j'ai ma bouteille de champagne. Messieurs, bienvenue. Oui, il y a Monsieur Jambou qui te dit bonjour, petit Seb, et Damien qui dit de bonjour, me réhydrater. Bonjour. Oui, merci. Ah bah tiens, j'ai plus de café au lait. Voir que je me fasse effectivement de la flotte.
Bien vu. Oula, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont tombés dans mon verre. Ça ne m'inspire pas confiance, Burke. Attendez, moi je vais effectivement je vais faire pause dans une baraque. Je vais en profiter justement pour aller rapidement aux toilettes et... Oh, je n'avais pas le grand portrait. Et me faire du glouglou. Bien vu, Dame Lilith. Merci. Ouais, je reviens. 30 secondes, excusez-moi. Et puis il fait vachement sombre, là. Il commence à faire gris. Je vais activer la lumière. Attendez, il y a plusieurs choses qui vont pas, moi. De mon côté. Oh, la grisaille d'un seul coup. Par rapport à ce matin, j'avais plutôt de la lumière... Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, effectivement, je vais boire un coup. Je vais me rincer. Ah bah tiens, je vais me préparer la faute là aussi. Ah, alors est-ce que le sage a vidé les caisses? Ouais, et la caisse. La fontaine. Je l'avais pas analysé, celle-ci, je l'avais jamais eue. Quoi ce loin? Voilà, moi j'ai même eu le temps de me laver les pas. Ah, Twitchen, Twitch, d'accord. Donc ça c'est cool. Je vais me servir à boire, me revoilà, excusez-moi. Ah, Bash Fishing, oui, c'est un jeu de pêche, ouais, qui est pas mal. Mais je l'ai normalement le Bash Fishing de Sega sur ma PS3. Je crois que je vous avais fait une démonstration, mais je pourrais vous en refaire. Coucou, dit JJB, je regarde vos deux directs. Oui, merci, vous voyez chacun nos points de vue. Ouais. Mais voilà, bienvenue à vous, ouais, Monsieur Jambon, Daminit, merci, toute la communauté. Il est offert en clé de... Ah, par Steam. Ah. Oh, je sais pas si je vais peut-être aller leur revendiquer tout à l'heure. Merci pour l'info, tu une scène, mais bon, comme j'ai la chance déjà de l'avoir sur console. C'est jamais... C'est... Bon. Le choix du support après derrière pour la diffusion, je verrai. Alors, comme disait Dame Lilith, je vais me faire de la boisson. C'est bien vu. C'est vrai que captivé par de telles aventures, on oublie de se ravitailler en flotte pour de vrai. Oula, j'ai rempli tout juste mon mug. Bon, j'ai trouvé une planète avec du durastil. Faut que j'aille miner. Tu m'étonnes. Allez, c'est parti, la suite de l'aventure. Donc, c'est un village macaque, oh mon dieu. Oula, ceux-là, ils tombent amoureux. Il y avait une quête, je m'en moque. Je ne fais pas de quête pour le moment, je suis en pure exploration. En tout cas, je suis en train de remarquer que la planète... Ah, j'ai pas scanné la porte. Que la planète... L'horloge de grand-mère? Ah, je l'avais. D'accord. La planète de sable, elle est immense. Le temps d'en faire le tour, c'est pas évident du tout. Dur. Duracell, oui, c'est ça.
Ah oui, d'accord, le petit comptoir de magasin aussi, j'avais numérisé. Ah oui, le coup de Mona Monkey, là, Mona Lisa en macaque, oui. Ça me revient. Oh, leur fontaine à eux, elle est trop chouette. Quand je pourrais la dupliquer, ça va être un bonheur. Ah, une graine de café. Pas trop tôt. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Bon, vous allez arrêter ce bordel avec les portes. Moi, je deviens fou. C'est quoi ça? Kézako. Oui, une pyramide. Ah. La pyramide de Khéops de l'espace. Aïe. Ah, mais ça va falloir la garder parce qu'à un moment, il y a bien les avions à analyser. C'est vrai. Bah, répertorie-la dans ta cartographie, là, si je puis dire. Oui, tout à fait. Oh, j'ai récupéré une barrette de RAM. Trop bien, sur un robot. Funfan du GOG, Siberia anniversaire. Collection sur GOG. Oh, c'est intéressant, Funfan, bien vu. Puis ça fait un petit bout de temps que je suis pas connecté à mon compte GOG. Ah, bien vu, bien vu. Ah, une tombe à piller. C'est horrible, mais c'est efficace. Moi, je vais rien casser pour l'instant. Enfin, je vais essayer. Alors, du tungstène, de l'argent, une arme et une carte de technologie. Encore une tombe ? C'est incroyable, c'est la colline aux sépultures là. J'en reviens pas là. Bah alors. Encore du pillage en vue. Honteusement. Donc. Attends, pourquoi s'éclairer en bas? Ah, parce que j'avais déjà exploré visiblement. Attends, vas-y voir que je déclenche une avalanche. Voilà, que le sable se. Le coffre il est au-dessus. Le coffre du plaisir, le coffre du pillage. Pillage. Cloud Wooden Chess Manip. Oh, Modeur Manipulator, Rodden Food. Oh la vache, il y a des trucs. Oh merde, ça pourrit. Ah oui, du cactus machin. J'ai des ressources intéressantes de mon côté. Ah ça ouais! Pas toi? Une statue d'humain en fait en sable. C'est pas mal. C'est pas mal. Comme butin, hein, c'est original. J'ai une plante rare visiblement à planter. J'ai 4 coffres en bois du coup. Et. Ah, une super masse à deux mains. Oh! 19,4 de dégâts. On uppercute. 19,4. Oh la vache. Ah, bah je crois que j'ai la tenue intégrale du bédouin, dis donc. Allez-y voir que je change de tenue pour rigoler. Je suis le policier du désert. C'est trop bizarre. Mes fringues sont étranges. Je ne sais plus comment m'habiller. Et il a fini de me boquer, lui. Ah, il faudra peut-être que je retire les pics en bas, là, les stalagmites. C'est dangereux. Attention, je reste armé. Faut peu qu'il y ait un Pokémon hostile. Ah, aurais-je fait le tour de la planète? Point d'interrogation. Je sais plus si j'avais déjà parcouru ça tout à l'heure. Faudrait que j'en sois certain. Ah oui, j'ai fait le tour de la planète. Ok, au moins j'en connais la surface. La profondeur, je la ferai plus tard. Mais à mon avis, cette planète-là, elle va être vachement intéressante. Pardon, je relis un peu mon chat parce qu'il faut pas que je vous mette devant. Comme vous avez tous salué. Non, ça va, visiblement, j'ai loupé aucun de vos messages. Ouf. Me voilà rassuré. Ah, je me repose dans ma chambre, dans mon vaisseau.
Le miam, il va falloir que je mange quelque chose. Ah oui, il faut que je fasse faire cuire aussi la viande. Attendez-vous, R. Ah bah oui, du coup, je peux numériser ma propre déco. Comme j'ai acheté le truc de Saturne. Ah oui, la niche de mon animal de compagnie, je l'avais pas numérisé. Mais qu'est-ce qu'il fait au public de commande, mon cochon? Fini, oui. Il voulait rapprocher le vaisseau pour que tu reviennes plus vite. C'est ça. Qu'est-ce que tu racontes, Funfan? Je comprends rien à ce que tu as écrit. T'aurais pas oublié des lettres. Cuisson de la viande. J'ai 3 steaks à me faire. Et l'œuf que j'ai instantanément cuit, je peux pas en faire une recette? Sérieux? Bon, jus de cactus, c'est sympa, mais... Ah ouais! Bon, bah j'ai rangé l'œuf dans le frigo. Il me servira plus tard. Ibi. Autre planète. Il faudrait que je visite une autre planète. De retour dans mon vaisseau, je vais aller au tableau de bord. Alors, je suis là, je crois. Oh, il y a un vaisseau qui vient d'arriver. Il est hostile. Oh, c'est scandaleux. Bande de vilains, je devrais vous patater la tronche. Mais, il est en direction de moi! Ah non, il s'est barré plus loin. Ah, il s'est mis là. Bizarre. Attends. Ah non, j'étais là, moi, d'accord. Et ça, c'est un vaisseau... copain. Ah, c'est un vaisseau ami. Alors, attends. Viens dans ton œil. Viens dans ton œil. Viens dans ton œil. Viens dans ton œil. Bah, y a un mob cyclope qui m'arrive dessus, alors je lui mets des coups de lance dans l'œil. Ouvre l'œil et le bon. C'est moche. Oh. Alors, le vaisseau ami. Alors qu'il y a plein de détritus en lévitation dans l'espace, c'est horrible. Je vais descendre du Mecha. Y a-t-il des choses que je ne connaisse pas? Ah bah oui, le champ de force. Le chasse. Bonjour monsieur! C'est un bar. Oui, oui, merci, je vois. Merci de me souhaiter la bienvenue. Je suis... Ah, c'est la serveuse peut-être. Bonjour madame. J'essaye de faire quoi? Une quête de ma vie? Peut-être que trouver quoi? De minimum de quoi? Bon bah c'est pas... Oh, il parle tellement vite que je... Oh! Une gazinière, un modèle que je connais pas. Plus compact que le mien. C'est étrange. Une pomme de terre. Non, mais je vais leur laisser la pomme de terre. Ah, les caisses. Oh, c'est quoi ça? Oui, c'est pour les Mecha. Bon, bah, je réquisitionne. C'est des pièces. Ça va plus te servir à toi qu'à moi, petit Seb. Les pièces détachées de Mecha. Ouais, de toute façon, faut toutes les récupérer parce que... Oui, c'est précieux. Mmh. Je fais ça pour ça. Je me refais une petite... Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris, Funfan. Oh là là, il y a des choses à piquer. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Il est excité. Oui, je suis un visiteur. Ah, il y a un vendeur. Qu'est-ce qu'il propose? Un ordinateur industriel. Oh, je veux bien. J'achète. Une porte industrielle. Une table industrielle. Bof. Une lumière industrielle. Ou un siège industriel. Le siège industriel, je veux bien. La lumière, moins. Ah, je peux lui vendre des trucs. Bah, je vais lui vendre de la bouffe. Tiens, je te vends ça, je te vends ma viande, parce que sinon elle va périmer, alors ce serait débile.
Autant qu'on fasse un plat, mon gars. Donc ça, je me le garde. Je lui vends rien d'autre, je crois. Ah oui, j'ai les pioches que j'ai récoltées, je m'en moque. La dague, je vais peut-être la garder. Ça, je veux bien la vendre. Celle-là aussi. Ah, mais j'ai pas vu. J'ai récolté une coiffe en roseau. Très original. Enfin, que je mette ça sur ma tête, moi. Ça me changera de mon képi de policier. Une main. Ah oui, la vache, elle fait mal, celle-là. Je vais la garder. Tu m'as offert le fusil à pépon de flamme. Je le garde. Et ben voilà, j'en ai vendu pour 500 pixels. Merci monsieur, je suis content d'être venu sur... Oh mon dieu, cet ordi que j'ai acheté en un exemplaire. C'est troublant. Non mais c'est bon, le commerce, j'arrête là les gars, arrêtez. Oh tiens, il y a une partie inférieure du vaisseau. Ah oui, mais je peux pas m'attendre. Ah attends, il y a un truc. Comment ça, il y a un truc? Oui, non, mais c'est troublant. Mais c'est toi. Oui, j'arrête. Non, mais... Ah attends, il y a un truc. Il y a de ces choses. Moi je m'en vais dans l'espace. Je retourne à mon vaisseau. Eh attends, mais oui, non, c'est vrai. Il y a peut-être une astuce, il y a peut-être deux entrées, voire plus sur le... Mais oui, attends. Il y a deux champs de force, j'ai pas rêvé. Et oui, je suis allé au-dessus, mais je peux aller en dessous. Ah, j'avais pas fait gaffe à cette propriété des... Eh oui, il y a des caisses... À... Ouais. Oh là là, il y avait 16 d'or dedans, ouais. Des fois, il y en a en dessous, des fois, il y en a en dessous et au-dessus. Alors, attends. J'ai mal mené mon approche du vaisseau ami. Ah oui, il y en a au-dessus aussi. Ah ah ah, bien vu. C'est énorme. Et là, il y a... Ah, de l'argent. Eh ben, je serais pas venu pour rien, dis donc. Merci, les gars. Au revoir. Je m'en vais. Blop. Teleportation. Blop. Alors. Ouais, ma coiffe, elle est pas mal. En rojao. Réfléchissons. Il faut que je retourne dans ma base pour raffiner les matières premières que je viens de récolter. Do you believe? Don't go away. Voilà. Oh. Oh, 28 lingots de cuivre. C'est énorme. Belle récolte. 16 lingots d'or. Ça, c'est grâce à ce vaisseau ami. Presque 10 lingots d'argent et 4 de tungstène. Oh là 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 là. Pareil, je pourrais faire du verre à volonté. Oh, c'est trop bien. Ressources précieuses, vite. Faut que je range ça dans mon vaisseau. Téléportation dans le vaisseau. Je vais stocker la précieuse marchandise. Ah non, c'est peut-être dans ma base que je stockais ça. Je retourne dans la base, c'est le bordel. Je vais y arriver. Mais il faudra que je me fasse vraiment des codes couleurs dans le hangar pour lui dire ça, ça correspond à ça, ça, sinon parce que à force de cumuler et de récolter plein de trucs, je finis par m'y perdre. Arrive un moment où t'es vraiment condamné à t'organiser proprement. Regardez-moi ça, j'ai de ces ressources, c'est nimp. Oui, alors les pièces de Metcha, tu m'as dit c'est précieux, je vais les ranger avec mes lingots de métaux raffinés. Je l'appareil de mémoire, j'ai la pile. Ouais, ouais, ouais. Eh ben c'est cool tout ça. Ah oui, j'ai mes nouveaux objets. Oui, donc j'ai acheté un vieil ordinateur. Je vais le déposer je sais pas où en attendant. C'est le bordel. Ah, c'est vrai que ça peut servir d'interrupteur le truc. Alors attends, je vire ça. Je mets le siège là en attendant. C'est rigolo. Ouais. Mais ça me servira sérieusement plus tard le vieil ordi là qui fait interrupteur. J'en ferai quelque chose.
Exploration. De retour dans le vaisseau. Donc là, c'était un vaisseau ami. Il faudrait que j'aille en une planète. Attends, en orbite, j'étais où du coup? Là, j'ai exploré ou pas? Oui, je crois que c'est ma planète d'origine. Ah, j'ai un champ de... Oui, je reviens sur une excellente question qu'il y avait précédemment de la Jed qui disait, mais est-ce que tu peux faire une base dans un champ d'astéroïdes, dans un astéroïde? Et en fait, petit Seb avait dit non. Il m'avait expliqué hors antenne, c'est pour ça que je reviens là-dessus maintenant, que ce qu'on vient de voir là dans ma carte, l'espèce de spirale mauve, c'est en fait, ça disparaît au bout d'un certain moment. C'est des champs d'astéroïdes qui sont en voyage, si je puis dire, dans l'univers. Et ça garde pas la même position, ça bouge tout le temps. Donc non, on peut commencer à construire une base dans un astéroïde, vraiment, mais on va la perdre. Parce qu'à un moment, même si on met un téléporteur dedans, elle finira par être effacée. Ça va disparaître de la portée de notre vaisseau. On va perdre les coordonnées du champ d'astéroïdes qui se sera, entre guillemets, dissipé, disloqué dans l'univers. Wally Wally. Mais c'était une excellente question de la Jed. Et je gardais espoir, avant d'avoir l'explication de Petit Seb, je gardais espoir de pouvoir faire ça, mais non. Mais très très bonne question. Oh merde, il y a des gros lavaches. J'ai acheté le mon dieu, je sais pas comment gérer, je me fais attaquer par des... On se croirait dans Xenon, là. Ça devient un shoot des mobs, le jeu. C'est merveilleux. J'ai le bordel. Voilà, il y en a trop, et oh, je suis cerné, moi je vais me barrer. Ils vont me patater, les salopards. Oh là là, mais j'ai pas le niveau, je vais me faire allumer moi. Oh là là, mes chats ont été épuisés, je vais devoir me planter les portes sur mon vaisseau. Ah, je récupère des pièces et de l'énergie. Ah ah ah, je me défends. Alors, j'ai exterminé la menace. Oui, il me dit d'aller par là, le Mecha. La flèche dit par là-bas. C'est intriguant. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Il y a des astéroïdes vivants. Quel étrange aéronef. Oui, alerte d'intégrité. Oh mon dieu, j'ai été détruit, c'est horrible. Dans le vide intersidéral. Arf, je me suis fait démolir plus tôt que prévu. En fait, dès que j'entends l'alarme, j'ai intérêt à me téléporter sur mon vaisseau mère, parce que sinon... Oui, ah, j'ai pas perdu tant que ça en Tudas. Ça va, le jeu est pas trop méchant. Bon, bah, je vais aller sur une planète plus accueillante, hein, le champ d'astéroïdes. alors, attendez que je lise bien. Alors, View, je suis allé partout ici. Alors, elle vend des kiwis. Elle vendait des kiwis. Lalali, lalali. Je suis pas sûr d'y être allé, mais bon, bref. Comment je dézoome? Ah oui, comme ça. Alors ici, c'est différent, je crois. Alors, je suis largué, mais quelque chose de bien, quoi. On est d'accord que ma planète de sable, elle était là-haut. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça, c'est ma planète d'origine, je crois. C'est où Alulawek 2. Et tu... Bon, je vais aller sur Alulawek 3 parce que... Bon, là, je peux rien y faire. C'est une gazeuse. Non, non, pas bookmark, mais y aller. C'est troublant.
Je ne sais plus si j'ai exploré cette planète de mon système solaire d'origine ou pas. Eh ben dis donc, il m'en reste des choses à faire. Waouh. Il y a toujours plus de choses à faire. On n'a jamais fini sur ce jeu. Oh oui. Alors, comment ça se passe d'ailleurs de ton côté, petit Seb? Je suis en train de faire le tour de la planète sur laquelle je suis... Parce que je n'ai pas tombé. Je sais pas si je l'explore ou pas. Elle a l'air pas hostile, visiblement. Elle est similaire à ma planète d'origine. Ah, ça me semble familier. Je devrais pas y croiser d'entités trop hostiles. Ah, il y a de la ressource. Il faudrait que j'aille en sous-sol aussi prochainement. J'aurai très probablement des trésors à trouver à droite à gauche. Oh, celle-là aussi, je vais la cultiver. Oh, tant de choses à faire. C'est extraordinaire. Ah oui, il y a un portail. Est-ce qu'il a été activé celui-là? Non. Les fragments n'ont pas été mis. Oh, cette montagne. Oh là là. Alors, elle est haute, mais visiblement... Ah oui, c'est presque un monolithe. Oui, elle est très haute, mais elle est très courte. Donc, à dézinguer, c'est assez rapide. Oula, attention à ma vie, moi. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire usage d'un bandage, c'est maladroit de ma part. Lui il est gentil, lui il est méchant. Lui il est cramé. Oh là oui, tiens, allez hop. Les deux là aussi. Oh là 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 là. Pillage de sépulture, c'est obligé, après ce que je viens de voir. Ah, du cuivre que je pourrais raffiner. Oh oui, j'ai récupéré des choses. Oh, l'autre coffre est un peu plus loin. Moi, oh, après le temple, la viande, j'ai la vie, la viande sur la même planète. Ah, voilà qui est intéressant. Il y a de la ressource dans les sous-sols. Ah, avec un codex, c'est gratuit. Avec ce codex. Qu'est-ce que c'est que cette cheminée à la verticale? Qu'est-ce que c'est que ces beans? Attends, je vais mettre une torche là parce qu'on n'y voit que puik. Et un autel sacrificiel sur le toit. Rien à me faire cuisiner parce que j'ai vu un feu de camp. Il y a les chats fantômes. Salopard. C'est pas moi, les pots ils se sont cassés tout seuls. J'ai juste ramassé les pixels quand ils sont sortis. Ah merde, oui, attends. Alors attends. Oh, oh c'est mignon. J'ai deux petits écureuils de chaque côté du puits. Ah, c'est rigolo. Ah oui, j'étais venu. Je reconnais mon... J'avais mis des trucs en bois pour pouvoir remonter du puits. Donc oui, j'ai déjà exploré cette planète. Enfin, de manière brouillonne, mais oui. J'étais déjà venu ici. Mais oui, non, mais ça, c'est une planète à faire en agriculture aussi.
Je pourrais faire également des champs à perte de vue. C'est. Non, c'est très bien. Oh, puis ici, c'est un blond. Bonjour, le blanc. Avec également une mine. Oh là 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 là, tellement de choses à faire. Oh! Attends, j'ai pas numérisé les bibliothèques là. Ah la vache, tu m'étonnes toi. Très intéressant la maison de champignons. Oula, le Pokémon là, j'espère qu'il n'était pas agressif, tant mieux. Bon, il y a des carottes à récolter. Les carottes sauvages. Merde, oula, il y a un Pokémon qui m'aime pas. Ah, un vendeur. Mais... Oh, il a fini de m'agresser, le Pokémon de mes deux. Téléviseur, caisse, machin... oui, bah je peux toujours cuire les carottes. Alors, le vendeur, il est où? Il a fui les ennemis, c'est ça? Oui, qu'est-ce que... Oh, il vend des kiwis. Une table en métal... Un home. Merde, je me fais agresser alors que je suis en train de faire des achats, c'est honteux. Mais... Voilà, merci. Alors, il disait quoi le vendeur? Et un home... Oh, il m'intéresse ta coiffe. Attends, tu pourrais arrêter de bouger, monsieur le vendeur? Mais, il a la bougeotte, ce con. Mais arrête de bouger, je suis en train de faire des achats avec toi, abruti. Merci. Ah. Ah, il y a encore des sépultures à profaner. Ah oui, il est là. Ah, on prend un codex. Oui, aïe, oui. Bien, moi, je vais brûler. Alors que j'ai un chouignouf qui m'a rejoint dans la cavité, il faut que je me creuse un truc pour revenir en surface là, parce que je ne le fais pas. Je ne le fais pas, la li, je ne le fais plus, derli. Alors que je me barre. Oula, oh, formation rocheuse importante. Ah, une grande montagne alors, visiblement. Oh, ah, oh, c'est, attends, c'est un puits. Ah oui, c'est un puits, j'allais dire. Wow. C'est un puits. Ah oui, je suis proche de la surface, ok, je préfère ça. Attends, je recreuse par là parce qu'il y a les racines des sapins. Voilà qui est mieux. Et ben voilà, je me barre. Alors la suite. Je me demande si j'ai pas fait le tour de la planète là. Oh. Encore des sépultures à piller. Ah non! Comment ça non? Il t'arrive malheur, petit Seb, je le crains. Que signifie ce cri? J'ai oublié de remettre ma boule à pique, j'ai toujours l'autre. Du coup, je peux pas monter, il y a un endroit où je voulais monter, je peux pas. Comment ça, t'as oublié de mettre ta boule à pique sur l'autre? Je te comprends pas. Ah, l'autre modèle Metcha, c'est ça?
Non, non, sur la transformation en boule. Ah. J'ai pris l'hydraulique. Ah oui. Et j'ai oublié de remettre celle à... celle qui s'accroche au mur. Mmh. La boule adhésive à pic. Ah, trésor en bas. J'ai bien fait de faire la touche off. Toujours ça de prix, mais bon, bof. Ah, bouffe, je vais finir par crever de faim, moi. Voilà qui est mieux. Oh, coton. Oula, oula, ce Pokémon. Vache, il était massif. Oula, là, là, là. Encore une montagne des enfers. Va l'escalader, toi. Oulala, là là, c'est ultra escarpé avec des sapins. Même ça dans les Vosges, y a pas en vrai. Je crois pas. C'est trop abrupt. Ah, c'est vrai. Mais non, c'est pas la tente de départ. Mais non, ça va pas mon histoire. Non, j'ai pas fait le tour encore de la planète. Non, ne dis pas qu'il y a encore. Ah! Encore? C'est pas possible, ils viennent par terre, ces niveaux. Oh! Un Pokémon rare. Voilà, il est agité, lui. Il finira par m'avoir pour se sauter dans tous les sens. Il devient bien chiant, le moustique. Salopard. Comment qu'il m'a volé? Aïe. Est-ce que je peux... attendez voir. Stratégiquement, est-ce que je peux faire un drapeau de... Ah non, merde. Ah oui, non, j'ai pas ce qu'il faut. Dommage. J'aurais dû penser à... Ouais, stratégiquement, à faire le... Mais je l'ai déjà vu, là, je suis en train de tourner en rond, non? Ouh, vache, je viens de me faire bobo. Allez, je me barre de la planète. Voyons la planète suivante. Puis je crois qu'on s'arrêtera à ça pour aujourd'hui parce que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. L'autre planète, ouais, elle est là. Pas dit que j'ai exploré la surface de cette planète. Attends, je vais un petit peu dans le... Oh, je me suis fait tuer. Oh. Le con. Bah alors. Ah, j'ai pas vu, mais sur cette planète, ils sont chauds les mobs. Ah ouais, quand j'ai plus le méca, c'est plus pareil. Voilà, j'ai refait ma santé. Alors, bonjour, mon petit animal de compagnie adoré. D'accord, c'est ma planète d'origine. Donc, la planète que je croyais être celle d'origine, c'est pas ça, donc faut que j'y retourne. Je suis complètement perdu dans mon propre système solaire, tout va bien. Donc moi, je viens de là, en fait. Alors, tu vois, je viens de descendre sur la planète avec le mecha, j'ai à peine décalé sur la droite, puisque j'étais parti vers la gauche la première fois, et j'ai directement trouvé mon cadavre. Donc je suis mort quand j'avais fini de faire le tour, quoi. Oh merde, c'est moche. Juste histoire de perdre des pixels. D'accord. Alors attends, planète d'origine.
Attendez. Base. Base planète. Oui, je l'écris comme ça, pardon. Mais voilà. Au moins, je saurais. Donc, du coup, contrairement à ce que je pensais... oui. Non exploré, c'est un vaisseau copain. Et bon, on va aller les voir. Oh, le bordel. C'est le bazar, c'est le bordel, c'est le boxon. Je suis perdu. Ah, au confin du chez moi. Allez, zou, on va aller voir le vaisseau copain. Merde. J'ai fait feu alors que c'est un vaisseau ami. Faut que j'arrête mes âneries, moi. Oula, ils ont un gros... Waouh. Une autre forme de vaisseau. Ah, bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites au niveau du champ de forge, monsieur? C'est dangereux. Vous êtes le bienvenu, blablabla. Ne restez pas là, vous allez vous faire mal. C'est ça. Oh la vache, le pillage. Il y en a des choses chez eux. Ah, le siège, je connaissais pas. Leur caisse, je connaissais pas. Bonjour, messieurs, dames. Oh. Oh! Ils m'ont offert un cœur de téléporteur. Merci les gars, vous êtes adorables. Ça vaut une fortune, c'est inestimable. Merci messieurs. Attendez, il y a quelqu'un qui est vendeur ici ou pas? Oui, j'ai un beau vaisseau, merci, je suis flatté. Quelqu'un est vendeur? Non? Personne ne fait de commerce ici? Bon, bah si vous le dites. Vous êtes entre scientifiques? D'accord. Bon, bah merci, bonne recherche à vous les gars. Non, bah c'est un petit vaisseau fort sympathique. Et là, je leur fais coucou face à leur pupitre de... Salut les gars. Je leur passe devant. Allez, je me barre, j'arrête de faire l'idiot. Alors, les planètes toutes proches, que j'en explore au moins une avant de rendre l'antenne. Puis je commence vraiment à crever la dalle. Là, j'ai faim, je vais me faire des feuilletés à la viande. Parce que si dents est périssable dans mon frigo, je vais me remplir la pince. Alors, allons-y. La planète, la dernière à explorer. Oh, ouais. Ah, Metchan, pas forcément. Tant pis, je vais descendre du Metcha parce que... Encore que, il fait nuit. Ouais, elle est un peu escarpée... Ouais, bah il y a ce que je trouve sur ma planète d'origine. C'est presque un peu... Ah, ça, ces arbres-là, je les ai pas. D'accord, là, il y a une espèce de hutte en... Végétaux, il y a des tomates, plantes de tomates. Mais il est chiant, là, il va mourir, lui. Coucou le sage, super. Bonjour le baron, j'espère qu'il va bien. Merci à vous d'être là. En espérant que tout le monde aille bien. Là, je suis en. Avec petit Seb live. Coucou. Starbound. L'excellent Starbound. Bon, là j'ai trop d'ennemis qui me manquent. Voilà, qu'ils aillent mourir, les vilains. Oh, des arbres fleurs. Oh, il y a du cacao aussi. Intéressant. J'ai vraiment le système solaire qui se prête à l'agriculture. J'ai plein de planètes. C'est un truc de fou. Ouais, cacao, à l'état naturel. Alors, est-ce que je peux passer en dessous?
Ah non, je suis bloqué. Je suis quand même là-haut. Bon, je vais continuer à pied, va. Tant pis, je prends le risque. Ah bah tiens, il y a le portail. Avec les fragments à faire. Il y a des démolardeurs. Oui, c'est la planète des démolardeurs ici, la vache. Ah, il y aurait un vendeur. Ah non, apparemment il est mort. Il s'est fait agresser par les... Oh, Voodoo Dew. C'était un boss. Le boss local. Non, de toute façon, je vais rentrer sur mon vaisseau. Intéressant. Bon, bah je vais finir sur la base à faire 2-3 bricoles et puis on rendra bientôt l'antenne. Tu diras quand tu auras coupé, petit Seb. Ouais, ceci. Je vais. Alors, moi je vais encore m'octroyer une pause de 2 minutes, le temps d'aller enfourner mon miam, histoire de gagner un peu de temps parce que j'ai vraiment la dalle là, j'ai vraiment faim. Pardon, ah bah voilà, il a trop faim. Ah oui, non, mais je meurs de faim. Je reviens dans 2 minutes. A tout de suite. Ah, je laisse avec la musique japonaise. Au calme quand le sage est pas là. Hop là. Voilà. J'étais justement en train de dire c'est trop calme quand t'es pas là. C'est enfourné. Excusez-moi, c'est bon, j'arrive. Alors où en étais-je? Oh c'est bien, oui, je peux faire des portes en. Bah, une. Attends, je vais me TP à toi parce que. Moi je suis à ma base, peinard, il n'y a aucun risque. Je suis sur le toit de ma maison en construction. J'ai une nouvelle lance. Oh, oh, y'a pas besoin de bien. Mon dieu, une lance flamme. C'est trop stylé. Alors, qu'y a-t-il? Est-ce que t'aimes lire, le sage? Le menhir, pardon? Non, est-ce que t'aimes lire? Ah ben, certainement, oui. Tiens. Merci. Tiens. Oh mon dieu. Et tiens. Et tiens. Mais t'as pris. Et tiens. Et tiens. Mais il est fou. Attends, là tu t'es cité sur toi-même le bouquin numéro. Oui, ça c'est celui-là que. Oh là là, oui, je vais en avoir plein à la base de données là. Ah bah tiens, je vais peut-être te donner mes pièces à moi de Mecha. Toi tu sais quoi en faire. Alors attends, faut que je fasse comme ça. Non merde, attends. Voilà, je vais y arriver. Ou pas.
Ça t'aime bien, ça t'aimera bien, et ça t'aimera bien. Pardon, j'ai jeté à l'opposé, je suis désolé. Il y a ça, il y a ça, je crois. Ça, ça te correspond, je me trompe. Parfait. Ah bah c'est bien, on ne s'est pas perdu. Je sais que t'en feras bon usage. Oh, bah j'ai trouvé un super casque que j'ai acheté sur un vendeur. C'est une lunette robot d'analyse. Boom. Bah oui. Mais le casque roseau rigolo. Celui-là, je l'ai trouvé, évidemment. Ah, et bah c'est cool. Merci, petit Seb. J'ai plein de choses à dire grâce à toi. Mais il y a une histoire complète, là, le 1, 2, 3, 4. Oui. Ah. Il y a, dans le village à Vian où je suis passé, il y avait un hôtel avec 4 meubles et dans chacun des meubles, il y avait un bouquin. 1, 2, 3, 4. Du coup, ah, et les 3 autres bouquins, bah, je les ai trouvés dans les maisons à différents endroits de la ville. Excellent. Bien joué. Mazette. Oh là là, je suis en train de compléter mon index de connaissances. Un truc de fou furieux. Moi j'essaye de crafter un truc avant de... Oui, un bouquin que tu m'as donné en 2 exemplaires, mais c'est pas grave, je collectionne les bouquins. Oui, c'est pas grave, parce que après, au bout d'un moment, quand j'aurai fait ma bibliothèque, je voudrais en récupérer aussi. Ouais. Merci petit Cheb, une nouvelle fois, tu es trop fort. Il me faut 2 barres d'or et 5 de poison. Petit cœur, ah oui, pour la chimie. Un petit bottle, oui, pour faire des potions. Bah, pas tout de suite, mais ça reviendra. Oh, ah oui, j'ai des matières premières à faire, c'est vrai. Alors, 10 lingots de cuivre, 8 lingots d'or, 3 lingots de fer et 2 d'argent. C'est très bien. C'est bon, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mon dieu, il s'excite. Ah, il a un cadeau à m'offrir, c'est gentil. Oh! Oh! Eh, malin, il m'a offert des graines de... baie aux fruits, là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais non, c'est bien, c'est cool. Merci, Captain Morbide. Oula, la récolte que j'ai à faire sur ma planète, c'est même pas la peine. On voit que je me suis absenté trop longtemps. Tout a poussé. Oula. Je vais pas avoir assez de place dans l'inventaire, là. C'est la folie, là. Oula, il y a trop de trucs. Ah, ça y est, j'ai fait la première moitié, ça dégueule déjà. Pause. Calmez-vous, j'ai trop de trucs. Ah, puis j'ai pas assez de place, il faut que je fasse d'autres champs. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je fais? Je m'installe sur une autre planète aussi, encore? Non mais je vais pas réussir à suivre, c'est pas possible. Ah mon dieu. Va falloir que tu fasses des streams fermes. Hein. C'est ça. Je vais cultiver sur toute la galaxie. Ah. Dès qu'il y a une planète tempérée, pan. Prends 2 secondes pour revenir sur mon vaisseau. Bah non, je peux pas. Je suis en train de faire mon... Attends, je fais mon agriculture. Je suis en plein process, là. Il faut pas déconner. Excusez-moi. Il faut que je fasse la cuisine, que je vende les produits finis. Je te rejoins dans 2 minutes et encore 5 minutes plutôt. Mais je vais venir, ne t'en fais pas. Alors, du riz, un petit risotto, encore des bonbons. Salade. Oh, intéressant. Pommes de terre, je prends le machin, je vais garder le. Chocolat. Oh, 4 tablés de chocolat. Du jus de carotte. 4. Ok, l'autre établi pour la bouffe. Non, l'autre, j'ai dit. Du riz. Ah oui, des galettes de pommes de terre. C'est encore pas mal. Le popcorn, je peux en faire 6, mais je vais attendre. J'ai sûrement du riz à ranger. Oui, 14. Ça m'a fait 153. Mmh. C'est pas ce que je voulais. Non mais j'ai trop de trucs à cultiver là. Bop. Ah merde, c'est celui-là qu'il fallait que je fasse. Je me suis trompé. Tu t'es planté.
C'est pas grave. Celui que j'ai fait, mais j'en ai besoin aussi. Alors, vendons des choses. Bah, du coup, t'es pas obligé de venir. Bah oui, du coup, oui, ça t'a cassé. Donc. Bah, en fait, j'ai fabriqué le truc pour fabriquer les rails avec les plateformes qui se déplacent sur les rails. Oh, un jour aussi, j'y arriverai. Mais c'est bien ça, oui. Ça me sera pratique plus tard sur ma planète. Alors, produit fini, je te vends ça. Ah, le baron, oui, sur le coyote, il fait game et démo. Oh, bah, je vais faire sûrement relais de chaîne, tiens. Ou je retienne sur la chaîne le coyote. Tac. Oui, les produits raffinés. J'en suis à 1321, c'est bien. Je récolte tout ça. Il faut que je replante des trucs. Sinon ça va pas le faire. Voilà. Oh, les carottes, je peux replanter les carottes quand même. Il y a encore des emplacements de libre. Mais oui. Tac. Là il n'y en a plus de place. Ah oui, effectivement il n'y a plus de place. Voilà, j'ai pu placer la carotte. Alors je suis beaucoup plus pessimiste pour les fruits, ça prend deux cases de côte à côte. Ah si, j'en ai placé un. Bon bah c'est bon, j'ai plus de place du tout là. J'ai la folie. Alors, je vais retourner en cuisine, refaire des bons petits plats que je vais vendre plein tarif. Ah! Le cousin de Captain Morbid qui s'est installé au pupitre nouveau de la machine que j'ai acheté tout à l'heure. C'est rigolo. C'est rigolo. Ah oui, le cake aux carottes. Mais je peux en faire qu'un seul, dommage. Parce que c'est un plat qui rapporte. Je sens déjà mes feuilletés à la viande qui émettent une délicieuse odeur dans ma cuisine qui me parvient jusqu'au pouf. Ouais, bah on va s'arrêter là. Ouais, on va pas tarder. Hop, je vends ma bouffe dans le jeu. J'ai précisé dans le jeu, vie réelle, je la mange. Alors, cocktail au kiwi, le cake à la carotte, les bambans, ça rapporte. Graines de kiwi, on pourra la replanter. Produits frais, du maïs. Tiens, oh. J'en suis à 1700 pixels, c'est bien. Graines de kiwi, non, ce serait bien de la replanter, mais oui, j'ai vraiment plus une place dans mes champs là. Ah, il faut que j'explose la planète. Mais ça, ce sera au prochain épisode. Allez, je dis au revoir à mon animal de compagnie, là, au petit cochon. Et puis hop, je me déconnecte. Ouais, chier, moi, le petit cochon. Ah bah, je vais aller me... Hop, dans ma chambre de vaisseau. Trop stylé. Eh bah, merci d'avoir joué. On se retrouve bah, demain matin, petit Seb, pour la suite de nos aventures. Yes. Alors, le combat demain matin, j'aimerais bien qu'on essaye de faire la deuxième gemme maintenant. Ah oui, on pourra essayer demain matin, ok. Parce que normalement, on a juste à se taper à la mission, faire le donjon, quoi. Ouais, c'est cool, merci. À se retrouver un gros boss encore. Alors, le coyote. Alors, je vais faire la pub à Monsieur Jambon, qui a eu la gentillesse de me faire un relais de chaîne. Voilà. Qui est adorable, Monsieur Jambon. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Il fait pas mal de jeux vidéo différents. Parfois, il fait même un peu d'art. Je sais pas si ces derniers temps, il a fait de la compo graphique, mais ça peut lui arriver à Monsieur Jambon. N'hésitez pas à le visiter avec aussi sa dame adorable, Madame Lilith. C'est cool. Merci du relais de chaîne. Et là, je vais à mon tour faire relais de chaîne à Le Coyote 90. Est sur Resident Evil 5. Oh, j'ai écrit la coyote, n'importe quoi. C'est le coyote, pas la coyote. Merci, à plus. Ah ben merci à toi d'avoir été présent, JJBGM. Merci tout plein.
Merci. Le coyote 90 sur les relais de chaîne, il y a eu qui d'autre qui m'a fait un relais de chaîne, j'ai déjà pu. Oh, vite, mon historique. Ah, Arsenos TV, merci Arsenos TV également, qu'il faudra que je mette en lumière. Donc bon appétit à vous, moi j'ai hâte de manger, je vais mettre à jour mon The Elder Scrolls Online pour 15h. Pour jouer tout à l'heure, oui. Oui, j'espère que je ne suis pas trompé. J'ai bien orthographié Arsenos TV. Oui, apparemment c'est bon. Nickel, voilà, j'ai fait la pub de tout le monde. Et encore, merci à toi petit Seb pour cette session de jeu. C'était cool. Merci à tous, bon appétit. Bon app, bon app. Hop, attends, je vais aller voir Locoyote 90. D'ailleurs, j'ai même un doute, je sais même plus si je suis la chaîne ou pas. Vas-y voir que je vérifie ça, moi. Ouais, je sais pas, mais je viens de le raid. Ouais, toi aussi, ouais. Ouais, raid synchronisé. Bah, j'avais personne, donc, ouais. Comme t'as envoyé chez lui. Mm. Hop, le coyote 90. Qu'on débarque tous chez lui. Ah, ah. En fait, c'est le baron qui joue. C'est un compte commun, hein, le coyote. C'est avec le baron aussi, ils sont deux à être sur le... Le canal. Coucou! Bonjour tout le monde! Je file la table. Bon app. Bon jeu. Voilà, on débarque tous. Oh là, vous étiez 14. Merci d'avoir été si nombreux, c'est la folie. C'est la folie furieuse. Alors qu'il est en train d'accompagner le dernier Whisker, je vais en sur le canal. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, moi, de mon direct. J'arrête le direct. J'arrête.